Ok, on va y aller. On va y aller. J'attends 30 secondes et on commence. On est exactement au même endroit qu'hier soir. C'est-à-dire que Rayman est en train de se balancer très très dangereusement sur le bord d'un précipice. Toujours le côté pas mal travaillé des animations hein, de ce jeu-là. Les animations de Rayman, notamment quand tu te tiens debout et que tu fais rien. Bah, il se demande où tu es, quoi. Il fait l'espèce de signe en mettant la main sur sa tête, genre t'es où? Et c'était vachement classe, hein. Surtout pour l'époque. Même encore aujourd'hui, je trouve que ce jeu a extrêmement bien vieilli. Donc on va commencer d'ici quelques secondes. Là, j'ai envoyé mes petits liens. Je vais prévenir par SMS quelqu'un que je commence. On ne sait jamais si cette personne va venir ou pas. J'arrive, je suis à vous dans quelques secondes. Ok. Sinon, on va commencer tranquille. On va commencer tout seul, il n'y a pas de souci. Comme ça, je me chauffe pour le niveau. Ça commence à se corser en plus, je pense. Donc, par contre, la musique, je crois que sur l'émulateur, elle... Ah, merde. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que la musique s'est barrée. C'est dommage, elle freeze de temps en temps. Oula. Attention. Attention. Attention, je vais me faire attaquer, là. Ah, merde. D'accord. Ok, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort, comment ça se fait? J'ai zéro vie. Putain, j'ai... Ah, je suis game over direct. Oh, on commence sur un game over, c'est cool. D'accord. Est-ce que je vais devoir tout me retaper ou pas? C'est la grande question. C'est la grande question. La carte mémoire. Ah, les mots de passe, mais j'ai pas de mots de passe encore. Attends. 25%. Mais j'en étais où? Attends. J'espère que je dois pas me retaper plein de levels du monde en question. Ça serait un peu chiant. J'étais où? Je pense que j'étais en haut. Hein. Attendez, je vais regarder en bas. Ah, y'a rien. Je crois que c'était ça, le chaos du cauchemar. J'espère que c'est ça. Que j'ai pas d'autres trucs à me retaper. Ah, attendez. Ah non, non, c'est là. C'est là. Par contre, j'ai zéro vie. Je vais me dépêcher de prendre le truc et je me casse. On va faire ça comme ça. Je me casse. Par contre, il va falloir que je fasse extrêmement gaffe parce que j'ai plus de vie. À chaque fois, je vais tomber game over. Là, ou putain. D'accord, ok. Faut taper dans les structures. Ok, j'ai failli crever. Ça m'a l'air compliqué là. On va se concentrer. Je suis en stress, je vous le dis. Hein. Oula. Merde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais être game over. Attendez, mais on va pas... Enfin, je veux dire, on se fait chier, quoi, au bout d'un moment. Parce que moi, je veux bien essayer un niveau plusieurs fois, mais si en plus, tu mets le game over à chaque fois et qu'il me fait perdre du temps, que je dois utiliser la carte mémoire... Enfin, vous comprenez, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais c'est extrêmement chiant. C'est quoi ce souci? C'est de... Ouais. C'est quoi? C'est un souci de conception? De nos jours, tu vois plus ça, hein, ça n'existe plus. De nos jours, quand tu crèves dans un niveau, bah, ça te remet à... Je ne comprends pas. En plus, on se tape la cinématique à chaque fois, mais bon, je la passe. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma save, hein, parce que s'ils veulent la jouer comme ça, bon, je vois pas comment faire à part me retaper en boucle le truc. J'ai pas envie d'aller me chercher des vies, je sais pas où, je sais même pas où on va en chercher d'ailleurs. Bon, bah, on va retenter comme ça. Et si j'ai pas de vie ou si quoi que ce soit, bah, je remets ma save et puis voilà. Hein. Là, c'est le jeu qui est mal foutu. Hein. Voilà. C'est. J'ai pas envie de perdre mon temps à recharger la sauvegarde à chaque fois éternellement. Ça, c'est juste de la perte de temps. C'est uniquement ça. Hein. Y a aucun intérêt ludique ni quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment de la perte de temps. Inutile. Bref, on va se concentrer. Faut que je reste sur de bonnes ondes parce qu'on vient de démarrer ce live. J'ai pas envie que ça parte en couille. Déjà que je devais pas continuer à la base. Je continue parce que j'ai senti du potentiel à la fin de mon dernier live avec le truc. Le truc de Rayman là, les cheveux. Oula, attention, on va se concentrer. D'accord. Là, je pense que ça devrait le faire. On va se concentrer là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Ah, je vois le truc. Je vois le truc. Je vois le truc, par contre, comme d'hab, je suis game over. Donc écoutez, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Je pense que ça suffit. Hein. Voilà.
C'est un petit peu relou. Sans que lui, tu peux pas le buter. Putain, mais... Ah, c'est millimétré le truc, hein. D'accord. Ok. Oula. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon. Bon, écoutez. Fuck le point doré, on y va comme ça. Voilà. Flemme. Par contre, là, au début, ça va, c'est pas trop dur. Mais à la fin, là, c'est extrêmement difficile, là, le... Les espèces d'ennemis à côté de toi, là. Il y a une chance sur deux de toucher. Allez, on se concentre. Alors pour l'instant, ça va, ça c'est nickel. Il n'y a aucun souci particulier. Là, tu te baisses. Là, tu sautes. Là, c'est classique. Oula, je dis ça, j'ai failli me faire avoir quand même. Donc là, on se baisse. Par contre, c'est là, là, putain. Me mettre à l'extrémité du nuage, peut-être. Là, on se baisse. Là, ça passe, ouais. Quoi ? Les pics, bien sûr, les pics. Ouais. Ouais. Ok. J'ai du mal à comprendre le coup du game over à chaque fois, enfin... Je sais pas. Encore une fois, ça ne se fait plus actuellement. Et je comprends aisément pourquoi. Allez, concentration. Parce que si à chaque fois on avance de 2 mètres pour se taper un nouvel obstacle derrière qui nous tue, ça va être un peu compliqué. Allez. Là, normalement, ça va le faire. Là, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, c'est... C'est du timing, c'est de la concentration. Par contre, là, c'est chaud. Là, c'est... Là, en plus, tu diriges pas le nuage, quoi. Là, je me baisse. Là, je saute maintenant. Et là, je ressaute. Voilà, mais il faut le savoir que tu ressautes. Enfin, bref. Donc là, je tape. Putain, le truc, il pop juste devant toi, hein, l'espèce de gros truc de pic. C'est un petit peu abusé. On va sauter. Ok. Stop, s'il vous plaît, stop. Non, mais ça suffit, là. Ok, on est à la fin. Alors, attention à pas te faire avoir. On fait un test. Hein. En temps normal, j'aurais fini le niveau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester d'aller à gauche. Je prends de gros risques. Voilà. On se fait attaquer par... Oula, double pic. Triple pic. Un double os. Si ça continue comme ça, ça devrait aller. En espérant qu'ils ne nous mettent pas un quadruple pic. Oula. Faut que je descende. Oula, d'accord. On tire le grappin. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je tire... Du moment que je vise bien avec mon grappin. Ah. Oula. Quoi? Ah, les enfoirés. Heureusement que j'ai fini, mais ça, c'est bâtard. Par contre, c'est vachement bâtard, le coup des ennemis qui pop juste à côté de toi. Bon, par contre, j'ai fini. Est-ce que j'ai accès au même niveau? Attendez. On va faire une autre save. Je vais voir si j'ai accès au même niveau. Parce que là, regardez. Attendez, là, il y a une fleur devant moi. Et si je load l'autre? Par exemple, regardez. On va faire le test. Si je vais à droite. Est-ce que c'est le même niveau? Ah bah oui. C'est exactement le même en fait. Sauf qu'avec l'autre fichier, j'ai une vie de plus parce que j'ai pris le risque. Ouais, c'est ça. En fait, ça t'emmenait au même endroit. C'est juste que le chemin est différent. Bah du coup, c'est cool parce que là, j'ai une vie. Allez, on va essayer de faire gaffe en avance. Eux, ils sont chiants, eux, je crois. Oh putain, l'ennemi qui pop derrière toi, ça c'est vachement fourbe. Allez, on y va. On va se concentrer. Pour l'instant, tout se passe bien. Oula. Comment je fais? Ah, faut rebondir plus haut, peut-être? Si je fais comme ça. Ah non. Attendez. Je peux pas aller plus haut que ça. Non, je peux pas. Donc du coup, comment je les atteins, les trucs, là? C'est compliqué, hein? Est-ce qu'il faut amener une prune par ici? Allez, on va se concentrer. Hop, je me baisse. Ouais, ça, c'est bon. Bon réflexe. C'était pas très dur, vous me direz. Je me concentre. Donc là, j'observe un petit peu. Pour l'instant, tout va bien.
Il y a un truc en bas. Est-ce qu'on y va? Non. J'ai pas envie d'y aller. Je préfère toujours prendre de la hauteur. C'est toujours plus safe. Par contre, si je pète le truc, est-ce que le pic va aller vers moi? C'est la grosse question. Non. Ok. Oula, j'ai failli me faire toucher. J'ai failli me faire toucher, bordel. Là, on va essayer de prendre le machin au-dessus. Ouais, c'est bon. Attention, là, je vais me faire toucher si je continue. Est-ce que je peux l'atteindre de là, le... Merde. Je suis obligé de sauter. Ah, je dois sauter, me dépêcher. Donner des coups de poing et me barrer. On va tenter ça. Ouais, bon, ça va. Oula, le nuage qui cède sous tes pieds. Bon, ça va. Checkpoint, ça, c'est cool. Bon, pour l'instant, on s'en sort bien. C'est pas extrêmement compliqué en même temps. Allez. Alors, attendez, je vais checker si le son est bon. Je pense que le son est bon, hein. Ok, on continue. Alors, je sais pas ce que fait Clary. Je sais pas si elle m'a répondu, attendez. Hop. Ouais, je pense qu'elle va arriver bientôt. Alors, concentration. Je pense que là, ça devrait le faire. Voilà. Pas de problème particulier. Oula, scrolling automatique. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas. C'est le genre de truc que... Non, je ne suis pas fan, je... Putain, j'ai eu chaud. J'ai tellement eu chaud. J'ai cru que j'étais mort, je vous le dis. Donc là, est-ce qu'il faut mieux que je passe quand je suis à droite? On va essayer, ouais. Ça passe. Ça passe nickel. Oula. Mais franchement, les trucs qui pop juste à côté de toi, les ennemis ou les obstacles qui pop juste à côté, c'est carton rouge, hein. Enfin, moi... Je trouve ça extrêmement fourbe. On va passer quand on est à droite. Voilà. Putain, encore une fois là. Pour l'instant, ça se passe correctement. Ok. Oulala. C'est millimétré, hein. Les obstacles comme ça. Toc. Ah, je vais finir le level, je vais boire un petit coup. T'as chaud dans ce jeu, en fait. Donc là, faut que je descende normalement si je peux. C'est compliqué là, à moins de ramper. Merde, t'es sérieux là? Putain, mais. Ok. Je peux même pas le toucher. Je peux pas l'avoir de là? Ok. Comment je fais? Je passe au-dessus? Si tu veux. Putain, scrolling, ça y est. T'as pas le temps de te poser en fait dans ce jeu. Mais comment je passe? Mais... Il est invincible le truc. Tu lui tapes à la tête, ça marche pas. Et je peux pas lui tirer derrière lui. C'est pas possible. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vachement chaud. Bon. On se concentre. Putain, mais comment je fais pour passer le... Allez, on va essayer. Cette musique de porno là, putain. Très bizarre. Alors, attendez. Putain, mais va te faire foutre quoi. Insupportable ça. Et. Ah, c'est là le passage que j'aime pas, putain. Comment tu veux que je passe le truc invincible? Déjà, rien que là... Non, là, ça va. Rien que là, c'est chaud. Comment tu... Merde, j'arrive même pas à le toucher, déjà. Merde, je cherche mon point. Ah, si, je l'ai eu. Ouais, mais sauf que quand t'es en mouvement, t'as pas le temps de charger ton point. T'as absolument pas le temps. Comment tu veux faire? Faut le charger deux fois, en plus. Comment tu veux faire? Chier, bordel. Ah, c'est là, là. Ça va être... Ah, c'est là, là. Comment... Ah, mais je l'ai eu du premier coup, je comprends rien. Y a des ennemis que tu tues du premier coup. Ah, faut que je me... Ouais, là, faut que je reste ici, je pense. Y a des ennemis que tu tues du premier coup à la tête et d'autres, non. Je ne comprends pas. Par exemple, celui-là, on va essayer. Attends.
Ah bah tiens, du premier coup. Je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer d'aller au-dessus. What? Pourquoi je... Pourquoi c'est... Attendez, je sens qu'il y a un piège là. Je sens qu'il y a un gros piège. Comment faire? Est-ce qu'il faut se suicider? Faut aller dans les pics pour aller chercher une vie. Quoi? Attendez. Attendez. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Comment tu veux choper la vie? Avec le poing, peut-être que je peux l'attraper? Mais mon poing, il va pas assez loin. Faudrait que je le charge. Mais je peux pas le charger et sauter, c'est impossible. À moins d'avoir un poing doré. Je pense qu'il faut un poing doré. Ouais. Je pense que c'est ça. Attendez, je regarde un truc. Ouais. Au moins là j'ai 3 points de vie, c'était un essai, encore une fois je teste. Tant que le niveau me tue pas, je fais pas de save. Sinon si c'est pour tester, je vous l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit dans le premier live. Pour faire des tests qui n'engagent pas mon talent dans les niveaux, je m'autorise à le faire. Par contre tout le reste, je refais les niveaux tant que j'ai pas réussi. Ouais. Sans sauvegarde aucune, je fais un niveau de A à Z. Ça par contre je tiens à le faire. J'avais dit l'inverse lors de mon live précédent parce que j'avais un peu ragé à un certain niveau. Je vais essayer de m'y tenir, écoutez, je vais essayer de m'y tenir au maximum jusqu'à la fin du jeu. Donc. Ah, moi si on esquive. Quoi? C'est quoi cette connerie là? Genre t'es censé savoir que certains nuages se dérobent sous tes pieds, enfin descendent et d'autres sont consistants. Ne bouge pas. Bon bref, on va rien dire. Alors. Ok. Je peux m'accrocher là-haut. Non, je peux pas. Quoi? Je peux pas voir s'il y a des trucs en bas. Par contre, c'est quoi ces merdes? Ça repop non-stop, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Oula. Je me fais attaquer là. Ah, il y a la musique qui repop, attendez. Je pensais que j'allais être poursuivi. Non, en fait, non. Ok. Je vais boire un petit coup. Allez, on y retourne. C'est parti. Hop là. On rebondit. Ça j'ai bien compris. Ensuite là, est-ce qu'on peut faire un truc? À quoi par là? Ah! J'ai déclenché un dévi de l'autre côté. À mon avis, c'est quand je ferai le tour. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand je ferai le tour. J'ai pris un risque là. Putain. Le jeu qui te veut pas du bien quoi. Ok. Pour l'instant c'est easy. Hein. Là tu les vois bien arriver les trucs. Juste dans la première oups, partie du niveau, il y avait la séquence en scrolling qui était pas évidente. Ouais, je vais m'en parler, je vais me concentrer. Alors, là c'est pour remplir tes points de vie. Il y a quoi en dessous bordel? Je vais faire un test. Séquence test, je vais voir ce qu'il y a en dessous. Ah bah tiens. Est-ce que j'ai déclenché un truc? J'ai entendu un... Ah bah c'est la cage. Oh faut faire le tour, flemme. Flemme, je vous ai dit que je déclencherai pas les cages dans ce... Dans cette run. Je vais juste finir les niveaux, déjà c'est déjà bien. Mais c'est... Bref, faut explorer les niveaux de fond en comble. Ce que j'ai pas spécialement envie de faire, enfin du moins pour l'instant, pour cette première run. J'ai juste envie de finir le jeu quoi. Sachant que pour finir le jeu, je l'avais déjà dit, mais faut délivrer tous les Electoons. Et salut Daffy Duck. J'espère que tu vas bien. Depuis bah hier, vu qu'on a livé... Non, non, avant-hier, oula. Avant-hier soir. Et donc là, on continue. Pour l'instant, ça se passe bien, écoute. Je suis mort quelques fois au début du live. C'était pas évident, il y a une séquence en scrolling. Là, ça se passe un peu mieux. Je me concentre, là, voilà, checkpoint. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Jusqu'au jour où c'est le drame.
Donc là, attendez. Faut que je me dépêche. Ah, là, je dois... Ouais, c'est ça. Je dois sauter en plein... En plein truc. Voilà, pour l'instant, ça va. Est-ce que je passe en dessous ou au-dessus? Au-dessus. Allez. Moi, je crains le monde des crayons. Voilà, William m'a parlé du monde des crayons qui va arriver dans, je pense, pas si longtemps que ça. Enfin, je sais pas, en fait. Je crois que j'ai jamais terminé ce jeu. Putain, t'es sérieux? J'ai jamais terminé ce jeu, je pense. Quand j'étais petit, je suis arrivé assez loin. Mais jamais fini. Donc là, attendez, à droite, il y a un truc. À gauche, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est par là? Je sais pas, on va y aller. Hein. Oula. Merde. Quoi? Attendez. Mais il meurt ou pas? Est-ce qu'il meurt? Oula. Ah, je peux juste le passer en fait. Ah d'accord. Donc là, attendez. Faut que je chope ça. Attendez, ils m'ont bien dit de descendre là, hein, regardez. Il y avait des machins là. Oh là là, ils ont mis la cage en haut, faut faire le tour, c'est ça. Putain. Ok. Alors du coup... Oula. On va essayer de le dégommer rapidement. Oula. Il y a plein de géants là. On va essayer de se barrer vite fait. Ouais, c'est ça, moi je me barre. Flemme de choper la cage. Alors tu sais pas si tu vas rester longtemps. Twitch plante de... Ah merde. T'as rallumé ton ordi. Parce que... Ah oh, c'est chiant ça. C'est vachement chiant d'af. Bon c'est gentil de passer en tout cas. Mais franchement je sais même pas quoi te dire quoi. Je sais même pas comment t'aider. Twitch plante. Alors, est-ce que tu sais par hasard si c'est que avec moi ou genre tu vas voir d'autres streamers, est-ce que ça te le fait aussi? Est-ce que c'est avec tous les streamers? Regarde peut-être la qualité des lives, est-ce que c'est du 720p? Est-ce que ça plante quand c'est en meilleure qualité? Parce que je sais pas si c'est un souci de débit que tu as en fait ou pas. Ça, je peux pas te dire. Je peux pas te dire du tout. Donc je suis au regret d'apprendre ça. C'est con hein, parce que Rayman est un jeu sympathique à jouer ou à suivre, je pense. C'est pas ouf. Essaye de... T'as essayé de changer de navigateur, Daf? Alors vu que tu m'entends en saccadé, je vais répéter. Est-ce que tu as essayé par exemple de changer de navigateur? De passer de Firefox à Chrome, Google Chrome, ou l'inverse, de Chrome à Firefox? Ou, bon, pas Internet Explorer, mais Opera ou ce genre de trucs. Je pense qu'il y en a peut-être un qui doit mieux marcher que les autres. Enfin, j'espère en tout cas, parce que... Putain, mais c'est magnifique, là. Attendez, il y a une petite maison. Il y a des gens de la population de Rayman, là, on dirait. Ah, il y a des oiseaux qui s'aiment en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, il y a un machin en dessous, là. Le musicien offre à Rayman le pouvoir super hélicoptère. Pour l'actionner, presse X, presse à nouveau pour monter. Alors là, je me rappelle plus du tout ce que c'est, honnêtement. Qu'est-ce que c'est que... Ah, j'ai les cheveux bleus. J'ai les cheveux bleus et roses. C'est énorme. Oh non. Ah, c'est excellent, je me rappelais plus du tout de ça. Je me rappelais plus, mais dans mes lointains souvenirs, il me semble que j'avais déjà observé ce genre de... Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est-à-dire que là, avec une pression de... En faisant X plusieurs fois, je peux voler n'importe où. C'est là où tu te rends compte que le jeu est excellent, c'est que... Voilà, ça t'apporte des petits pouvoirs, du gameplay très très appréciable. Et qui fonctionne, je pense, de manière très précise. Je pense que c'est une question de maîtrise, et quand tu le maîtrises, le Rayman fonctionne parfaitement. Ouais. Déjà là, c'est un kiff à manier. Je pense que si tu fais gaffe... Ouais, c'est excellent, putain. C'est tellement énorme. Là, il y a un truc au milieu ou pas? Je sais pas. Ça le fait pas chez d'autres streamers, mais les autres streamers, je les regarde sur YouTube et il y a aucun problème. Ah, mais justement, en fait, moi, je me demandais, les autres streamers sur Twitch, est-ce que si tu regardes d'autres streamers sur Twitch, ça te fait le même souci? Moi, je pense que c'est... Enfin, je veux pas m'avancer, mais j'imagine que c'est un souci général que tu as avec Twitch.
Et donc si c'est le cas, je vois pas vraiment quoi te dire pour t'aider, encore une fois, à part le fait de changer de navigateur, comme je t'ai dit. Je suis pas sûr de moi, hein. Mais en général, quand j'ai ce genre de problème, j'essaie de bidouiller, d'essayer plein de trucs, genre le navigateur, de le changer, la qualité du live. Et si j'arrive vraiment pas après tout ça, bah, je laisse tomber. Mais vraiment dommage, après si t'y arrives pas, je ne peux rien y faire. En tout cas, c'est dommage. Oula, attention, là, c'est compliqué. On va essayer de choper les... Ah, j'ai réussi à choper les trucs quand même. Oula. Ouais, comme quoi c'est précis. Hein. Ah, c'est vachement précis. Hein. Ah, c'est en fonction du nombre de fois que t'appuies, d'accord. En fait, tu montes d'une strate ou tu... Oula, l'enfoiré. Merde, vite. Mais... Oh, le bordel. J'ai plus que 2 points de vie. Ça ne le fait pas chez d'autres streamers, je l'ai déjà lu. Bah écoute, franchement, je sais pas quoi te dire à part de changer de navigateur. Mais moi, il faut aussi que j'aille voir mes paramètres. Je sais pas si je peux le faire maintenant. Attends, je vais voir. Je sais pas si je peux voir la qualité de mon live, desktop audio, désactiver la surveillance. Parce que je suis vraiment un noob, hein, sur les streams. Je sais même pas comment régler la qualité de mon live, t'imagines ça? Mode studio, paramètres. Flux de données, ah c'est peut-être flux de données, attends je suis dans flux de données, service Twitch, type de diffusion, streaming service, serveur auto recommandé, ah, je pense que c'est automatique, hein. Je vais pas mettre pareil ou quoi que ce soit, sortie, simple, taux d'échantillonnage, ah attends, 6000, je vais pas toucher à ça, un taux d'échantillonnage de l'audio, oui, après, c'est peut-être moi qui déconne avec Twitch et seulement avec Twitch, hélas. Mais t'es pas le seul, hein. Je sais que Shiro aussi, il a des problèmes avec Twitch. Il a également des soucis. Qualité d'enregistrement, high quality, medium file. Ah, je suis peut-être en haute qualité. Il y a marqué high quality, medium file size. Ah, bah, je suis obligé de mettre ça, sinon ça me fait des. Ah non, ça, c'est que pour les enregistrements, d'accord. Les enregistrements à part. Là, on parle juste de la vidéo. La résolution, c'est de 2048. Sur 1100, la résolution c'est 1280 sur 720. Les FPS c'est 60 FPS, ouais. 60 FPS c'est pas rien, c'est le maximum. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la fluidité, je suis au max. Est-ce que t'as des ralentissements? En fait, comment ça se passe tes bugs Daffy Duck? Est-ce que genre ma voix se coupe, enfin en gros ton écran se coupe, c'est-à-dire la voix et la vidéo, et genre 5 secondes après ou 10 secondes après, ça se remet. Ça fait des saccades, c'est ça? Si c'est le cas, je pense que c'est dû à ma valeur de FPS. Donc les frames. Enfin la fréquence. Sachant que là, elle est à 60. Mais en même temps, je trouve que c'est important de mettre à 60 parce que tu vois la vraie fluidité d'un jeu, tu vois. Sinon après c'est. Oula, attendez, faut que je remette l'écran de jeu. Tu vois la vraie fluidité du jeu. Parce que si tu vois pas, pour moi, là, voilà, le jeu, tu ne montres pas la vraie qualité du jeu, quoi. Oula. Merde. Ah non, j'ai oublié que j'avais ça. Quel con. J'ai oublié mon pouvoir, c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Merde, bah tu vois, à force de parler, ça me déconcentre. Bon, sachant que j'étais au checkpoint, écoutez, on va faire ça. On va faire ça. C'est con, mais j'ai pas envie de me retaper tout ce que j'ai fait, quoi. Enfin, je trouve ça con, bordel. J'ai même pas l'occasion d'avoir des vies. Si encore on me donnait l'occasion d'avoir des vies, ben je dirais rien. Bah écoute, t'as qu'à faire le test, Daffy Duck, de changer de navigateur, mais Chrome ou Firefox ou Opera en fonction de ce que t'as. Alors attends. Se concentrer. Et si je descends ici? Ah, il y a une cage, d'accord. Ok. Bon, on va essayer de passer par le bas. Ouais, si je passe par le bas, peut-être que ça peut le faire. Oula. Ça a l'air compliqué. Et si je passe ici? Ouais. Niveau de lightbox, ça va, ils sont pas trop bâtards. Oula. J'ai failli me faire avoir quand même. Ah, là, c'est millimétré, hein. Tu fais le con avec le gameplay, c'est de ta faute. Parce que là, le Rayman répond très bien. En fait, une pression, tu montes. Et après petit à petit il descend. Donc là on va monter.
Oula, attendez, je vais regarder le pattern du truc. Ouais, on va y aller tranquille. Là, je vais me rechoper un peu de vie, ça c'est cool. Je descends tranquille. Oula. Ah ouais, d'accord. En fait, tu touches le... Tu touches à peine le bord inférieur et tu tombes. Comme si t'étais aspiré. Ah, je peux même pas utiliser de vie, je peux même pas en regagner. En fait. J'espère que ça va pas faire ça pour de nouveaux arrivants. J'espère pas non plus, Daf. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais du coup, t'as des saccades, t'as quoi? Utiliser la carte mémoire. Oh putain, c'est tellement chiant. Le temps que tu perds. C'est pas comme si je savais faire ce qu'on avait fait précédemment. Voilà. Hop. Oula, attention. Voilà. Donc je fais des saves pour des trucs que j'ai déjà fait. Sachant que ça m'a saoulé. C'est ça où je finis pas le jeu et j'ai envie de le finir. Donc disons que je fais des saves au checkpoint. Là j'avais un checkpoint donc ça va. C'est pas des saves n'importe où non plus. Merde. Là j'ai plus qu'un point de vie. Se concentrer. Putain, c'est compliqué quand même. Chaud hein. Chaud bouillant. Je vois pas ce qu'il y a en bas en plus. Ok. Se concentrer. Oula. En fait, si tu vas doucement, normalement il n'y a pas. Oula. Les ennemis qui pop, ça m'avait pas manqué ça non plus. Ok, pour l'instant c'est cool. Ouais, c'est le fait de se refaire les niveaux plein de fois quoi. Genre quand t'as pas de vie ou quand t'es game over. Plutôt que de te redonner la chance de faire l'endroit où tu t'es planté quoi. Je crois que ça n'existe plus trop actuellement. Il doit sûrement y avoir des exemples, mais voilà, checkpoint. À partir du moment où j'y arrive, c'est ça le truc, c'est que j'arrive jusqu'ici, donc on va te donner la possibilité d'avoir des vies ou de retenter, je sais pas. Plutôt que de tout se retaper, je trouve ça en fait pénible. Pas seulement pénible, mais aberrant. C'est de l'espèce de durée de vie artificielle. Ouais, si j'ai envie de me la refaire, je me la refais. Mais on va pas m'obliger à les refaire, quoi. C'est ça le problème. Après, c'est un débat, hein. Évidemment, tout le monde n'aura pas mon avis sur la question. On va essayer de tomber ici. Oula, je vais me faire toucher. On va y aller juste après. Putain, mais. Il va me faire décoller, bordel, ou comment ça se passe? Concentré. J'ai failli me faire avoir. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, j'ai dit ça passe. Putain, mais ces ennemis-là, quoi. Attends, je vais voir si ça fonctionne. Mais je voulais pas finir, je voulais aller en bas. Bon, tant pis. Ok, je te laisse regarder si ça fonctionne sur mobile. C'est intéressant, en tout cas, de voir. Oula. Qu'est-ce que c'est? Des cordes? Est-ce que je peux les couper avec peut-être ça? Ah, peut-être avec mon... Avec mes cheveux. Ça? Putain, c'est ça en fait. Il peut pas ralentir maintenant que j'ai coupé la moitié là? Ah ouais d'accord, il va me mettre dans l'eau. Il va me foutre dans l'eau maintenant. T'es sérieux? T'es sérieux que tu me laisses quasiment pas le temps de couper les deux cordes?
Et genre, tu dois tout te retaper juste parce qu'ils t'ont pas laissé le temps de savoir que tu devais couper les trucs très rapidement. Ok. Ok. Pas de soucis. C'est pas grave, je me retape cette séquence. À défaut de tout me retaper. Ce qui m'aurait fait rage quitte, hein, je vous le dis. Une fois, tant que je sais faire, je continue. Oh, j'ai plus la patience, hein, je vous le dis, hein, je le revendique totalement. Les jeux qui ont ce procédé-là, non, c'est bon quoi. Donc là, est-ce que je vais pouvoir aller en bas? Parce que je reconnais qu'il a beaucoup de qualité, mais le problème c'est que. Franchement, il abuse grave quoi. Sur certains points, c'est. Ah bah tiens, ce que je voulais. Une vie. C'est parti. Donc je ne ferai des saves qu'au checkpoint du jeu, les checkpoints officiels du jeu, hein. Pas à certains endroits bizarres là. On va essayer de se dépêcher. Alors franchement, s'ils me font pas réussir avec ça. C'est bon là, j'ai réussi. Ah tes conneries. Ah non, tu me fais gagner. Hein. Putain, mais c'est hyper juste, ils abusent. Ah, ils abusent grave. Ils abusent énormément, surtout qu'il n'y a même pas de checkpoint avant quoi. Enfin, t'es game over, tu te retapes tout. Ah moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Si encore c'était pas aussi faux, je veux bien, mais là non, vous avez clairement vu que c'était le cas. Bon. Ok, donc j'ai gagné, on est d'accord, je fais une save. Votre avis, pourquoi? Parce que j'ai vu un truc ici. Pourquoi il veut pas que j'aille? Il y a un trou, mais il me laisse pas y aller. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Une silence, hein? Je m'en rappelais plus de ce truc. Ça sert à faire peur à des ennemis, j'imagine. Bon, on va le tester lors du prochain. Lors du prochain niveau. Allez, la suite. Ok, concentration. J'ai envie d'y arriver du premier coup. Je vais aller par là. Ah, faut que je me dépêche, c'est ça? Non? C'est pas ça? Ah si, putain. Oula. Ah ouais, le nuage à droite, il avance en même temps que moi. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Ok. Quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, bon, ok. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Là, j'ai bien joué. Oula. Ça va continuer? Y a pas de checkpoint? Ah, ça continue. Oh, les bâtards. Les gros bâtards. Ouais. C'est vraiment des bâtards. Ah, y a pas de checkpoint. Hein. Putain. T'es sérieux là? Oh le truc. J'ai la manette en sueur, je vous le dis, je transpire de la main. Est-ce que je peux? Si tu veux, non mais franchement si tu veux. Ok. Genre t'as tout passé et à la fin, ah bah non tu te fais niquer. Et tu te retapes tout, t'as même pas de checkpoint, hein. Va te faire foutre. J'aime les jeux qui te veulent du bien comme ça. Ok. Je pense que ça y est, j'ai des réponses là du pourquoi je préférais largement Rayman 2. Quand il est sorti, voilà, niqué là. Allez bravo, 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 ouais, bravo. Bien joué. Saoulé, putain. Oh, que ça m'a saoulé, je vous le dis. Allez.
essayer de pas se faire avoir. L'homme Ray. Salut. Someone, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. L'homme Ray. Ouais. Oh putain, mais. Pff, c'est abusé. Attends. Donc là, j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Oh les bâtards. Genre, j'ai pas le temps. Je devais y aller. Attends, il y a un chemin à gauche. Dis-moi que le chemin à gauche, c'est pour te récupérer si t'es dans la merde. T'as l'audace de mater le chat sur un niveau où l'eau te course. Exactement. Je suis un peu... Je prends des risques, c'est vrai. Pff, c'est compliqué. Ah non, c'est juste pour ça. Attends, j'espère que je vais quand même pouvoir remonter. Déconne pas. Déconne pas. J'espère que c'est bon, hein, si je fais ça. Je vais par là. Ah, je pense que c'est bon. Oh non. Remets-moi le nuage. Ah donc je disais Rayman, ce jeu qui te veut du bien. Tu sens toute la bienveillance, tu sais. Genre pas de checkpoint, etc. Sachant que j'ai quasiment fini ce niveau, j'ai fait 95% du level je pense. Et juste à la fin je me fais niquer par une connerie. Et ils te font tout recommencer en fait. C'est magnifique. On va essayer de se concentrer. Donc là il y a un petit enfoiré à buter, je crois qu'il est pas loin. Ah il est là. En fait fallait le dégommer je pense. Pour être tranquille. Et donc là faut se dépêcher parce que le nuage t'attend pas en fait. Toi tu te grouilles. Et t'y retournes en fait, tout de suite, c'est parti. Voilà. Deuxième séquence après où l'eau monte. Ah, par contre là. T'es sérieux là. Mais. Pff, putain. Ah, j'étais arrivé là. Je crois que j'ai buté un. Est-ce que je l'ai buté les... Non, y'a pas d'ennemis. Merde. Ah, c'est là. Faut que je me dépêche. Putain, j'étais à la fin. Quand je dis 95%, c'était 99% en fait. J'étais arrivé. Je me suis fait avoir vraiment connement. Au moins, on n'a pas les bugs comme Ubi savent bien nous les pondre avec leurs jeux récents. Ah, ça, c'est pas faux par contre, Someone. C'est pas faux du tout. Je dirais même que c'est vrai. Alors attention à ces enfoirés. C'est les petits golems là. Des petits bâtards, moi je les appelle. C'est les petits bâtards de pierre. Ah, les projectiles. Fais attention. Putain, plus ça. Le truc vachement fourbe. Allez, dégage. Il peut pas crever au bout d'un moment. Mais. Genre, je le dégomme 3000 fois. T'es sérieux, putain. Ah, tes conneries. Mais. Il me le balance. Dessus. En mode. J'ai pas le temps. Ah, je vais devoir tout me retaper. Je vais devoir tout me retaper. Ouais. Ouais. Parce que j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé à la fin de ce monde-là alors que j'aurais dû. Tant pis. Ça m'apprendra. On va le refaire. J'espère que vous avez de la patience. Moi pas trop. Avec ce genre de jeu du moins. C'est plus de mon âge ces conneries. Alors. Parce que je l'ai dit lors de mon live précédent, mais je sais pas, quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas de crever une centaine de fois, de refaire et de refaire. Là ça me saoule en fait. Je me dis juste si le jeu est fourbe et mal branlé. À certains moments, attention, hein, je veux pas cracher sur Rayman, mais. C'est pas non plus un jeu parfait malheureusement. La difficulté assez mal dosée par exemple, ça tryhard les save states à certains endroits quand je finis les niveaux par exemple. Putain, possible, mais je vais essayer de pas trop en abuser parce que c'est vrai que c'est pas ouf.
putain. Je vais bientôt arriver. Oh, c'est ça, à chaque fois j'étais au bout quoi. J'étais juste au bout. Regarde. C'est... Maintenant je le passe les doigts dans le nez quoi. Ok. Parti. Bon sinon est-ce que ça va Toto? Comment tu vas depuis le temps? Et tu joues à quoi Outbo en ce moment? Est-ce que Rayman tu le connais bien? Est-ce que tu l'as déjà fini? Sachant que je répète mais pour le finir, pour ceux qui ne savent pas, il faut absolument délivrer tous les Eleytoons donc. Péter toutes les caches du jeu qui sont parfois très très bien cachées. Donc, ah oui d'accord, en fait je me mets à... Non, je le passe. Je peux pas le passer? Si, je peux le passer. Moi qu'il aille se faire... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'a pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser. Ah, il y a son projectile qui est en train de me rattraper là. C'est bon. Ok. Ah oh, merde ça, j'aime pas quand ça glisse. Putain, je déteste la neige. Je déteste dans les jeux vidéo. On va faire gaffe. J'ai jamais... Oula, attention. J'ai pas le temps de m'arrêter. Ok. Ça continue. Là, t'as pas le temps de t'arrêter dans ce niveau. C'est fou. Ok. Est-ce que l'eau, elle monte, là? Non. Je pense pas qu'elle monte, hein. T'as jamais touché à Rayman, mais j'ai déjà vu un certain canard se le faire. Ah ouais, Daft Duck, il a... Je sais pas s'il est parti parce qu'il... Ah oui, il a essayé sur mobile, il est parti... Oula. Il est parti essayer sur mobile parce qu'il a des soucis avec Twitch. Je lui avais conseillé de changer de navigateur. Peut-être que c'était son navigateur internet qui faisait de la merde. Il va potentiellement revenir, je pense. Et en tout cas, je savais pas qu'il l'avait fait en let's play. Tryhard R6. Meilleur jeu d'Ubisoft. C'est quoi R6? C'est Rainbow Six... le dernier là, comment il s'appelle? Siège hein? Merveilleux jeu d'Ubisoft, c'est Hollow Knight. Ah Hollow Knight, on n'a pas arrêté de m'en parler en bien. Tout le monde m'a dit qu'il était excellent. Rainbow Six, ce que je connais depuis la Dreamcast, ouais, excellente licence. Mais je connais pas par contre les derniers, les tout récents. Bon, le stream bug trop chez moi, j'ai tout essayé, j'ai même essayé sur mobile, merde. T'as la fibre chez toi, Daft Duck? Parce que si tu lâches, ça m'étonne en fait. Je pense que c'est un souci de débit, je suis en 60 FPS. Je sais pas si Toto a la fibre par exemple, mais. Je crois que c'est un souci de débit, hein, potentiellement. Pardon. Attends. Non! Bande de bâtards. Ah putain, heureusement que je suis pas mort. Ah, il y avait une cage en plus. Ah putain, ça a du bon de tomber, je vous le dis. Il y avait une cage juste en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Oh, j'ai tellement eu chaud. Et du coup, t'en penses quoi du Rainbow Six Siège? Est-ce qu'il est bien? Parce que moi, je préfère Rainbow Six Fauteuil, en fait. Je trouve que c'est plus confortable. Alors. On va essayer de se concentrer. Merde. Je stream en 720, 60 fps. Pas sûr que toutes les connexions puissent suivre. Malheureusement, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est à cause de ça. Merde, pourquoi? Attendez, j'ai été projeté. Ah! Ah oh, c'est énorme. C'est énorme. Quand je tire le point en fait c'est ça qui me fait m'arrêter, m'aller dans l'autre sens. C'est la physique du point de Rayman que je tire. Ça me fait aller dans... C'est énorme. Ah oh, c'est énorme. Et du coup t'as la fibre Someone, je pense que t'as une bonne connexion. Un boss X tabouret est un peu plus dur. Putain qu'est-ce qu'on est con. Ah oh, merde. En fait faut sauter hein. Oh. Pas se prendre la tête. Il faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, c'est chiant. Je suis désolé pour toi, Daf, mais c'est un peu la discrimination à la connexion, quoi. Genre, celui qui a une meilleure connexion, bah, il s'en sort et j'ai l'impression que c'est ça. Le problème, c'est que je peux pas downgrade parce que 60 FPS, je trouve que c'est la façon de profiter, la meilleure façon de profiter d'un jeu. Donc, c'est. Ah, ça m'ennuie. Hein. Quoi? Quoi, cette merde? Là concrètement si je suis game over ils me font refaire les 3 levels que j'ai fait précédemment. Ouais. Ah ouais. Encore une fois j'assume totalement mais c'est pas le genre de truc qui me plaît donc voilà.
en refaire 100 fois un jeu. Je préfère utiliser les saves au checkpoint. Attention, je répète, je les fais au checkpoint officiel du jeu. Voilà. Ah, t'as la fibre, Toto. T'attends les travaux pour pouvoir en profiter. Là, je comprends, en filière, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça augmente par 4 ou par 5 ton débit, montant et descendant, je dirais. Mais du coup, Navdoc, je suis désolé pour toi. Je pense que là, je vais y aller en mode... merde. Enfin, pas en mode merde, mais... si je me concentre... putain! Oh, c'est compliqué. Hein. Parce que j'ai un effet de recul à chaque fois quand je tire mon point. On va essayer de passer au-dessus. Mais... comment tu veux faire? C'est quoi ce passage de merde? Qu'est-ce que c'est que ce passage de merde, sérieusement? Là, il faut que je comprenne, là. Il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que si je prends mon temps et que je tire mes points, ça me freine, on est d'accord. Donc là, ça passe. Voilà, je vais essayer d'y aller tranquille comme ça. Putain, du moment que ça repop pas, ça va le faire. Je pense que ça peut le faire. Il y a quand même le projectile qui me suit jusqu'en bas. C'est fou. Je l'ai déjà fait en let's play, mais bon, comment ça a trop daté. Je pense que je vais le virer car c'était trop moisi. J'aurais dû faire comme toi, c'est-à-dire faire des save states. Ah, le problème, c'est que moi, si je fais pas ça, je vais full rager. Et je vais passer 100 heures sur le jeu. Ça va être horrible à regarder, horrible à faire. Et je vais me gâcher complètement le délire. Même si c'est pas en mode puriste, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est... je dirais mal pensé, même si ça a été pensé comme ça. C'est un truc qui est archaïque pour moi aujourd'hui. Et, bah, il suffit de regarder les jeux actuels, ça ne se fait plus. Hein. Et pour moi, c'est pas de la difficulté, c'est juste de l'emmerdement. De refaire à chaque fois les mêmes trucs. Quoi. Parce qu'on a beau critiquer, il y en a qui disent que ouais, Rayman Origins, il est trop facile, etc. Bah, je suis désolé, mais si c'est trop facile que de te remettre au début du niveau à chaque fois que tu crèves, ou à chaque checkpoint, non, non, pour moi, je valide ce procédé. Ouais, je me suis fait troller. Trollé par le jeu, Toto. Putain, mais comment tu veux passer cette séquence? Si je vais doucement. On va essayer de faire ça. Ah, mais je peux m'accrocher. Tout à l'heure, j'ai pas réussi. Ok, d'accord. Ok, en fait, faut reculer à chaque fois, ça se trouve. Ah, le truc qui repop. D'accord. Ok. C'est quoi cette séquence de merde, sérieusement? Grosse séquence de merde, moi je vous le dis. Là je m'accroche. Après je fais quoi? Je monte. Pff, franchement c'est tellement millimétré quoi. Ok, allez on y va. Là je tape. Et tu tapes, tapes, tapes. Ah putain. Bon ça va. Oula, les ennemis qui pop. Pour l'instant ça va, ils te mettent une petite protection en bas pour te cacher. Et du coup t'as délaissé CSGO Toto pour jouer à Rainbow Six Siege que tu peux jouer en multi je pense avec des gens d'internet. Et moi j'ai toujours aimé cette série, bon les récents comme je t'ai dit je connais pas. Mais sur la Dreamcast moi j'ai saigné les deux premiers épisodes. Et c'est le côté tactique que j'adorais, nettoyer les salles etc. En réfléchissant, pas en bourrinant comme plein de FPS. Par exemple les Call of ou les... ce genre de truc. Attention, on va se méfier. Parce que là, je pense que je suis vers la fin. J'aimerais pas me faire troller maintenant. Ah, un petit... oh putain. Vite, 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 vite. Vite! Non! Je hais ce jeu. Je hais ce jeu. Je vous le dis, hein. Je pense qu'il faut s'accrocher sur les parois. On va s'accrocher là comme ça. Et après il faut sauter par... mais tu peux même pas sauter par dessus. Très critiqué vu qu'il est full multi donc... donc loin des opus précédents, ah merde. Y a pas de solo, putain arrête. Je pensais qu'il y avait au moins un solo. Ah ça c'est décevant, bordel.
Ah, mais c'est ça en fait. Ah, mais j'ai plus mon pouvoir de voler indéfiniment. Et CSGO désinstallé en mars 2017? Ah ouais! Je pensais que ça faisait. C'était plus récent en fait, ta désinstallation. Bon là, Twitch ne coopère pas, tant pis pour moi, je vais vous laisser, je reviendrai peut-être tout à l'heure, on peut être. Ou peut-être dans un autre live. Je suis désolé, DavDuck, je sais pas comment faire pour t'aider. Je sais pas si c'est un souci de connexion ou pas, faudrait voir avec les autres streamers sur Twitch, avec une qualité égale à la mienne, 720p 60fps. Je suis désolé, en tout cas merci d'être passé, Dav, c'était toujours très sympa. Et bah, je te souhaite une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure ou à plus tard dans notre live. Allez, à plus, mec. Toto, ça va faire 2 ans, bordel. Il y a des situations en solo pour t'imprégner du gameplay, mais c'est tout. Ouais, c'est pas ouf. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Que je peux monter sur la plateforme? Ouais, en fait, c'est ça. C'est tellement précis, il faut monter sur le truc. Le truc vachement fourbe. Ok, on a compris. On a compris comment ça se passait. Donc là, il va y avoir des trucs qui vont m'attaquer. Si je me dépêche pas, je pense que je suis mort. Non, là, ça va. Ah, ils vont à la même vitesse que moi. Par contre, en rampant, attends. Ah, en rampant, non. Merde. En rampant, ils vont pas à la même vitesse que moi. Bon, j'ai compris comment on passait ce truc de merde. Voilà, c'est tu avances petit à petit, comme ça. Après, comme ça, voilà. Et bon, on a trouvé. On a trouvé. S'ils veulent, ok. Ok. J'ai tapé, bordel. Là, j'ai pas tapé. Par contre, celui d'avant, j'ai tapé. J'ai plus qu'un point de vie, c'est génial. On ne parlera pas du gros bordel avec tous les agents rajoutés par trimestre. Et ceux qui subissent des modifications pour équilibrer. Comment ça, les agents rajoutés par trimestre, Toto? L'oiseau fait son nid, c'est ça. L'oiseau essaie de te défoncer le cul, je dirais. Après, je reste accroché, ça passe. Putain! Il est passé entre les mailles du filet. Mais ce jeu de la fourberie, quoi. Par exemple, si tu ouvres pas les yeux, tu vois, il y a un pic juste au-dessus de toi, c'est-à-dire que tu peux mourir. Par exemple, là, tu vois. Le truc, c'est que je l'ai vu, mais je sais pas, c'est tellement exigeant que j'ai pas pu passer au-dessus. Bon, je me suis gardé dans la tête de faire que des saves au checkpoint, hein, donc je me retape les passages, y'a pas de soucis. Voilà, je vais comme ça. Ah, putain, c'est tellement dégueulasse. Concentration. Ok, plus de soucis pour ça. Il y a 2 nouveaux agents à chaque saison. Une saison dure environ 3 mois. Et chaque mois, une grosse mise à jour pour ajouter ces agents. Mais c'est quoi des agents? C'est des nouveaux personnages, je ne comprends pas. Des nouvelles missions? Ou équilibrer un peu les caractéristiques de certains d'entre eux. Tu veux dire, c'est des personnages, des classes à utiliser, enfin des persos à jouer, quoi. Qui ont des pouvoirs spéciaux, je sais pas. Qui ont certaines caractéristiques, j'imagine, par rapport à d'autres. J'ai jamais joué, hein. J'ai même pas regardé un stream, je crois, hein. Une vidéo de Rainbow Six Siege. Mais c'est pas grave. Ah, ils essayent de faire du contenu additionnel à chaque fois. Avec les saisons, ils essayent pas de jouer Fortnite avec les saisons, non? Je sais pas. C'est les personnages jouables, chacun ayant. Ah, sa propre caractéristique, pardon. C'est ce que je pensais, d'accord. Ok. Là, je vais essayer de prendre de l'élan. Ouais. Fallait que je retourne en arrière, en fait. Ok, on va pas se presser. C'est là que je me suis fait bouffer tout à l'heure. Voilà. Là, faut que je me dépêche. En fait, faut prendre de l'élan. Après, faut glisser. Oh putain, c'est juste juste. Hein. Il y a une petite vie qui fait plaisir. Eh bah putain. Bordel.
C'est pas du luxe, hein. Allez, petite save. Quand je finis un niveau, on a dit... Oula, le boss. Comment il s'appelle? C'est pas Monsieur Stone? Je crois qu'on m'avait parlé de Monsieur Stone hier, ouais. Oula. Il a l'air vénère. Il a l'air archi vénère. Il y a un truc au-dessus, c'est quoi? Taper là-dedans. Ah! C'est un punching ball pour le défoncer, d'accord. Je lui ai enlevé un point de vie déjà. Ok. Ok, d'accord. Oula! En fait, il y a des trucs, tu peux monter dessus, des pierres, tu peux monter dessus et d'autres non. Ok, celle-là, est-ce que je vais pouvoir monter dessus? Oula! Comment t'esquives ce truc? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est logique. Ok. Donc celui-là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me le manger ou comment ça va se passer? Ok. Ah, en fait, faut juste attendre. Tu te baisses et puis voilà. Putain, mais... Comment je peux faire? Si je lui tape... Pendant qu'il est... Ah, pendant qu'il est dans sa main, d'accord. Et après, je monte dessus. Ok. Ah, je pouvais peut-être l'avoir deux fois, là, non? Ok, j'ai compris comment il fonctionnait. Il fallait que je lui sorte des mains le rocher. Je suis même pas sûr d'avoir été jusque-là quand j'étais petit, hein, je crois pas. J'ai un gros doute. Ah, il appelle ses potes en renfort, ouais. Ok. Après ça, je monte dessus. Mais putain! Mais sérieusement! Ok. Y'a pas de soucis. Leur système de saison est là depuis le début du jeu. Hein. Le jeu, il a quel âge du coup? Il est sorti quand? Alors. On va se concentrer. Ah, du premier coup, je pense que c'est dur de le battre. Hein. Je pense qu'il faut savoir comment faire à chaque fois. Sinon, ça reste compliqué. Mais putain, mais je lui ai tiré dessus, bordel. Oh là 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 là. Vas-y. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, Monsieur Stone. Eh oui, Clary. J'espère que tu vas bien. Et là, j'ai déjà perdu une fois contre lui. C'est pas évident. C'est pas facile. En fait, faut lui dégommer le caillou qu'il a dans la main pour monter dessus après. Ah là, il appelle ses poteaux. On n'est pas tout seul, wesh. C'est les squads. Ah, c'est les wesh de cité. C'est bon, on les a vite dégommés. Ça, voilà. Il faut dégommer ça. Après, tu montes dessus et tu balances dans le truc du milieu pour le... Après tu remontes sur le truc de gauche et tu ressautes au-dessus de lui. T'as vu, c'est compliqué quand même. Enfin, du premier coup, je pense que c'est très difficile de l'avoir dû en un coup. Ah, sachant que là, c'est encore des attaques différentes de tout à l'heure. Voilà, donc là, tu montes dessus, tu tires, tu remontes sur le truc. Ouais, toujours le même truc. Il lui reste 4 points de vie. On va se concentrer. Dégomme-lui son caillou. Ouais. On va essayer de faire d'une pierre deux coups. LOL. Oh putain, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors attends. Putain, c'est ces petits enfoirés là, voilà. Ok. Ah oui, d'accord, double attaque. J'ai eu de la chance. Hein. Franchement, j'ai eu du gros bol pour esquiver ça. Ah d'accord, j'ai plus le choix d'esquiver maintenant. Ok. En fait, il te laisse une seule chance d'esquiver avec le nuage. Si tu sais pas qu'il faut le prendre et sauter, c'est mort. Et oui, et là il te saute dessus. Il te saute pile dessus, tu sais, genre, il peut pas aller plus loin. Bref, boss, pas de merde, mais moins bon, clairement, que la trompette, là. Ouais, il est dur. Il est dur, enfin, du premier coup, pour moi, je vois pas comment on peut le faire, à moins d'avoir extrêmement de chance, d'avoir beaucoup de chance. Voilà, je me fais toucher tout de suite, sans voir que le truc, il me tombe dessus vitesse grand V, quoi, l'espèce de caillou. Ce boss est un peu comme moi, au final. Ah, je sens la blague graveleuse, il a pas un poil sur le caillou, putain. Ah, bordel. En tout cas, il est vénère. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Je sais pas ce qu'on lui a fait, surtout. On lui a volé toute sa collection de jeux vidéo. Là, tu dis comme ça. Tu montes sur le truc. Ok. Ok, c'est parti. Bon, jusque-là, ça va.
Ah, je pense qu'il va avoir un autre truc dans les mains. Ah non, les poteaux. Les wesh. Faut s'en débarrasser très rapidement. On lui a volé ses pierres précieuses, putain. Ah, tu vois, j'aurais pas dû lire le chat. Parce que le truc qui me tombe dessus, c'est de ma faute. Ok. Allez, je me concentre. Ok. Hop. On monte, on dégomme et on attend qu'il arrive. Et là, il est à midlife. Hein. Je me rappelle plus ce qu'il fait comme attaque des lasers, je crois. Putain, mais le KU. Il me tombe dessus le truc. J'ai pas le temps de l'esquiver. C'est quoi cette merde? Sérieusement, quoi. Pff. Abusé. Ok. Dégagez-vous. Ok. En fait, il tombe dessus à chaque fois, c'est ça? Donc quand ça tremble, il faut bouger. Ouais. Ok. Ok, j'ai raté ma chance de le toucher. Ah non, ah non, ça va des deux côtés, ok. Bon, il a 3 points de vie, j'en ai 2. C'est mal parti. Putain, mais j'ai pas eu le temps de lui retirer de ses mains. Et il me saute dessus. Génial. Génial. Qu'est-ce qu'il va me faire? Les lasers, ils sautent. Ouais, si tu veux. Ok. Le truc qui te tombe dessus, évidemment. Les lasers, oui, vas-y, continue. Putain, 2 points de vie. Moi, j'en ai plus qu'un. Je le sens mal, je veux le dire. Je le sens très mal. Putain, là, t'as pas le temps. Bordel. Ah, j'ai eu de la chance. Il aura très bien pu me toucher, là. Il aura très bien pu me toucher. Enfin, j'esquive, je passe, sinon il me saute dessus. Ensuite, est-ce que j'ai eu l'occasion de te toucher, s'il te plaît, ou comment ça se passe? Ça, après. Il jette son truc sur moi, je suis mort. Ah non, j'ai eu de la chance, vous avez vu? Ça, c'est jeu pixel près. Là, je saute. Putain, il a plus qu'un point de vie. Je suis sûr qu'il va te balancer sa méga attaque. Ah, génial. Génial. Boss de merde, hein, je vous le dis. Hein. Gros boss de merde. Allez, c'est bon. Il me saoule. Juste, tu peux pas tirer deux fois sur le truc du milieu. Évidemment, c'est scripté. Hop. Ah putain. Là, je vais l'avoir parce que je sais comment faire, parce que je connais tous les patterns. Mais à partir du moment où tu peux pas battre un ennemi, un boss du premier coup, parce que c'est fourbe, genre on t'explique pas que le truc il tombe pile sur ta gueule. Enfin, c'est complètement con, bref. Allez. Et aussi quand il te saute dessus, ça change. En fait, il te saute dessus quand il te balance le gros caillou. Je sais pas si vous avez vu, mais au début ça va pas jusqu'en bas, et à la fin ça va jusqu'en bas. Donc t'es censé savoir qu'il faut changer de pattern en fonction du... Alors que c'est exactement la même attaque qu'il te fait, hein. Enfin, bref. C'est pas grave. On va dire que c'est de ma faute. Mort qui meurt de rage sur Cuphead. Ah non, mais Cuphead, je pense que je vais le tester, mais je vais même pas le finir. Parce que si c'est pire que Rayman, déjà que Rayman, j'ai du mal. C'est la fourberie du jeu. C'est pas vraiment la difficulté, c'est que le jeu est fourbe. Parce qu'il y a des jeux plus difficiles que Rayman, mais sur lesquels je rage moins. Moi, je trouve Dark Souls peut-être plus difficile, mais moins fourbe, en fait. Dark Souls est moins fourbe que Rayman, je maintiens. Même si c'est pas du tout le même genre. Mais au niveau... putain, rien que ça. Rien que quand il t'envoie les ennemis sur toi. Bref. Allez. Allez, là j'esquive. Là je te tape dans ton caillou. Je monte, je fais ça. Mais une fois que tu sais, ça va. Hein. Juste vers la fin, c'est un peu plus chaud. Mais à tous ces patterns-là, voilà, une fois que tu meurs plusieurs fois en boucle... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut mourir plusieurs fois pour connaître ces patterns. Quoi.
Oula. Oula. Putain, mais genre... J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends pourquoi je préférais largement MN2. Ouais. Et là, typiquement aussi, il t'envoie un truc vers la droite, t'esquives à gauche, et à gauche, il te balance les lasers en plein dans la gueule, quoi. Voilà, là, ça te tombe dessus exactement sans crier gare. Exactement. C'est ça. Parce qu'il y en a plein qui adulent Rayman, genre jeu parfait, etc. Non, 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 Rayman premier du nom est loin d'être parfait, je vous le dis. Hein. Au niveau du dosage de la difficulté et des pièges, c'est pas du tout... non, c'est... Je ne valide pas. Hein. Je suis persuadé que Céleste, qui est sorti il y a pas longtemps, en termes de plateforme, est beaucoup mieux pensé. Beaucoup moins fourbe, en termes de pièges. Ok. Mais bon. Pour en attester, je m'achèterai le jeu, parce qu'il est sorti en boîte, là, Céleste, non, c'est ça? Je pense que je vais me l'acheter, enfin s'il est encore dispo, hein. Je sais même pas s'il est encore dispo. Ça se trouve je m'y prends trop tard. Mais le Céleste sur Switch, j'en ai eu énormément de bons retours, de toute façon j'avais vu les streams de Mister MV. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire, esquiver ce truc. Pour l'instant ça va, mais j'ai plus qu'un point de vie. Hein. C'est parti. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais y rester. Genre à la dernière attaque du boss, une espèce de truc fourbe, je vais y rester... Là, je descends. J'ai beaucoup vu Céleste passer sur les nets, mais à voir ce que ça donne. Moi, il m'intéresse beaucoup, hein, parce que j'avais entendu quelques-unes des OST, et ça avait l'air très très sympa. Clary, il n'y a pas que Skyward Sword. Pourquoi t'as dit ça? Attends, je vais remonter un peu le chat. Il a l'air dur. Allez, ah oui, j'avais pas vu ton message, Toto. Ça change des boss de Skyward Sword, où t'as un gros zoom sur le point faible, c'est ça. Exactement, ça c'est deux écoles différentes. Mais je pense qu'il faut un juste milieu en fait. Je n'aime pas les boss de Skyward Sword, tout comme je n'aime pas les boss, j'allais dire de Rayman. Non, j'ai adoré Saxman, l'homme saxophone, mais celui-là il est un peu abusé je trouve. En termes d'apprentissage des patterns et tout, il faut, voilà, il faut crever plusieurs fois. Alors, on va esquiver. J'ai eu du bol. Hein. Voilà. Là, je pense qu'on va bientôt l'avoir. Il reste qu'un point de vie. Qu'est-ce qu'il va me faire? Là, je sais pas du tout ce qu'il va me faire. On va se mettre au milieu, on va se baisser. Bon, pour l'instant, ça va. Est-ce que je peux te tuer, s'il te plaît? Oh putain. Me dis pas que je vais y rester maintenant parce que là, je vais rager. Quoi? C'est bon là? Je peux. Est-ce que. On l'a eu. Voilà. Les animations sont géniales. Ouais. Je faisais allusion au jeu que tu étais en train de faire sur DS en ce moment. Ah non, tu parlais de Skyward Sword, là. C'est pas du tout une allusion au Final Fantasy que tu m'as prêté. Ah, nouveau pouvoir, c'est parti. Hollow Knight, tu dis... Attends, je lis, hein. Il va falloir être très rapide. Ah, c'est la course. Ils vont me donner la course, merci pour le GG, même si j'ai quand même perdu deux ou trois fois. Et j'en suis venu à bout. C'est quoi cette danse de fin? Ah putain, c'est ça. On peut courir maintenant. On peut courir. Génial. Pendant la marche... Ah, c'est ça, putain. C'est la touche rond, en fait. Je peux courir. Yeman. Yeah, Yeman. Yeah, c'est bon ça. Yes, ça c'est bon. On parlait des boss où on te montre le point faible. Oui, mais on parlait de Skyward Sword. Alors du coup, faut que j'aille en bas, c'est ça? La crique au crayon. Ah non, c'est celui-là que... William m'avait parlé du niveau des crayons, c'est celui-là, je pense. Je pense qu'on va en chier. Préparez-vous, les gens. On va en chier grave. Déjà que là, on a galéré avec le boss. Allez, on va y aller, je vais boire un petit coup. Préparez-vous à en chier. Allez. J'ai préparé le sel. Putain, ça serait tellement bien que j'arrive direct. Je kifferais. Ok. Allez, on y va. Concentration maximale. Ah, c'est Rayman Lisa, vous la connaissez ?
Moi, je la connais. Elle est dans un certain musée. Alors. Ah putain, ça glisse. Déjà, ça glisse sur l'encre. Non, j'ai plus de vie, j'ai qu'un point de vie. Et j'ai plus de vie et j'ai plus de points de vie. Donc en fait, je me fais toucher une fois. Tout à fait, someone. Une sauvegarde sur l'ému et sur le jeu en cas de problème. Par contre, là. Attends, j'ai plus de vie. Je pense que je suis dans la merde. Comment faire? Il y a un truc là. Comment faire pour choper le truc en haut là? Ah, utiliser ça, mais si. Mais si, on va utiliser ça. Regardez. C'est ingénieux. Et voilà. Je l'ai eu. On va essayer de remonter par contre. Comment ça quoi, Clary? Ils t'ont même pas redonné de points de vie. Non, 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 mais c'est. Tu commences à comprendre pourquoi j'ai du mal avec ce jeu. Il te redonne aucun point de vie. J'ai fini le monde. Hein. J'ai fini le monde et le boss. Donc boss plus fin du monde égale on te redonne ni. Mais c'est même pas qu'on me redonne pas de vie, en fait. Parce qu'à la limite, bon, même si c'est un peu salaud, on te redonne pas de vie, mais on me redonne même pas de points de vie. Les points de vie. C'est non seulement les certains. Voilà, le dernier boss était fourbe au niveau des patterns, faut crever plusieurs fois pour le réussir. Certains ennemis te popent dessus, tu sais même pas d'où ça sort, des trucs te tombent dessus à vitesse grand V, tu crèves. Enfin bref, là, je vais pas refaire tout ce que j'ai déjà dit avant. Vous aurez qu'à regarder les rediffs si ça vous intéresse ou si vous êtes venu en cours de route. Mais c'est extrêmement fourbe. Hein. Les vies et les points de vie. Donc là, en plus, on est dans un niveau, un des niveaux les plus difficiles, si ce n'est le plus difficile, hein, selon mon cher ami William. Donc là, en bas, il y a un truc. Est-ce que je. Pff, je vais même pas prendre de risque. Hein. Franchement, j'ai. Il y a une solution peut-être, c'est. Attendez, si je m'accroche au bord. Si je fais ça, ouais. Là, si je fais ça, par contre, il faut que je. Comment je peux faire pour tomber pile poil? Putain, mais. Oh putain. Ah, franchement, ça s'est joué à quoi? C'est juste de la chance, hein. Ça s'est joué au poil de cul, hein, quand je suis passé. Bref. Sinon, gris, ça vous parle? Oui, ça me parle, someone, mais ça m'intéresse pas trop en fait. Parce que j'ai vu quelques gameplays. Et bon, je me suis fait un peu spoil la fin du jeu, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas. Déjà, de base, ça me parlait pas plus que ça. C'est très artistique tout ça. Mais le problème, c'est que je trouve ça extrêmement linéaire en fait. Il a pas voulu voir ça, Shiro, je sais pas. Mais je l'ai appelé tout à l'heure. Enfin, je lui ai envoyé un MP, il est pas venu. Je pense qu'il est occupé. Je pense qu'il est occupé. De faire quelque chose, il a sa vie aussi, hein. Il est pas là, obligé d'être tout le temps là. Déjà qu'il a eu la gentillesse de venir à quasiment tous les streams de Xenogears. On va pas lui en tenir rigueur, c'est quoi ce truc? Je suis en train de perdre tous mes points de vie. Ah d'accord, je rebondis sur le. Je rebondis sur le machin. Je suis curieux, mais là de base, c'est une expérience de ce que j'ai compris. À 17 euros, ça m'attire pas. À 17 euros, ouais, c'est vrai que c'est cher. Moi aussi, je suis curieux, mais c'est la linéarité du truc qui me dérange. Et je sais pas, après, ça se veut artistique et tout. C'est vrai que les dessins ont l'air sympas, mais j'ai l'impression que c'est un peu du. C'est à la Journey, mais en 2D. Et je sais pas, je suis pas trop emballé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui se masturbent sur l'espèce de pseudo côté artistique parce que. Le jeu vidéo, il y en a beaucoup qui veulent le reconnaître comme un art, même si, oui, pour moi, c'est de l'art carrément. D'ailleurs, il y a un ministre, je crois, récemment, qui a reconnu publiquement que c'était un art. Comme si on avait besoin de lui pour que ça soit reconnu, mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est toujours bien, hein, c'est toujours bien, donc. Faut pas se plaindre, évidemment. C'est quoi? Comment ça, c'est quoi, Clary? Il faut que tu t'exprimes parce qu'avec le décalage, je ne peux pas savoir exactement de quoi tu parles. Pourquoi les pics, ils viennent pas là? Niveau expérience, j'attends la sortie de Journey sur Steam. Ah ouais? Tu t'as jamais eu l'occasion de te le faire, Toto. Bah putain, bah. Tu vas kiffer, hein. C'est un très bon jeu. Ah, Gris. Bah, Gris, c'est un jeu vidéo indépendant de plateforme, platformer avec des petites énigmes et un côté très artistique avec un côté très crayonné. Voilà, je peux pas t'en dire plus, hein. C'est un jeu indé qui se veut un peu artistique. Que moi qui me rebute parce que enfin c'est la linéarité du truc qui me dérange un peu. Enfin de ce que j'ai vu, attention. Par contre, comment je peux monter? Je passe là? Putain, ouais, ça se joue. Ouais, j'ai failli me faire planter le fion. Donc, on va essayer de pas se faire bouffer tous nos points de vie. Ce serait pas du luxe.
Ah, c'était juste pour une cage. Ok. En fait, je veux, faut que je retourne tout en arrière. Ouais, bah tiens, Toto a eu la gentillesse de te passer le lien du descriptif du jeu sur Steam, Clary. Comme ça, tu pourras lire un peu ce que c'est. Il y a une petite vidéo aussi. Un petit trailer, je pense, qui te veut te donner envie. Bah, attends, le crayon, il était pas vert. À moins que j'ai rêvé, je croyais que le crayon, il était vert. Bref. Oula. Pourquoi il veut pas que je m'accroche? Ah si, c'est bon, d'accord, ok. Ok. Ok, en fait, il faut retourner tout en arrière, donc j'aurais peut-être pas dû venir ici, parce qu'on va pas se faire toutes les cages, comme je l'ai dit. Ça, c'est optionnel. Jamais touché à Journey. Bah, c'est sympa. Après, ludiquement parlant, n'en attend pas grand-chose, c'est juste très beau visuellement, quoi. Et le côté tomber avec un inconnu, bon, je pense que t'es au courant de ça, c'est pas un spoil, hein. Mais tu peux tomber de temps à autre avec quelqu'un qui joue online, si t'es connecté à Internet avec ta console. Ou justement sur PC, hein, si tu, quand tu joues sur Steam, bah tu vas trouver des gens, des joueurs, des vrais joueurs qui vont tomber à côté de toi et tu pourras faire un bout de l'aventure avec eux, voir toute l'aventure si tu restes avec eux tant qu'ils ne se déconnectent pas. Et c'est sacrément sympa. Par contre, est-ce que je meurs? Attends, je vais faire un test. On a dit quand je fais des tests, j'ai le droit d'utiliser des saves. Donc là, je fais un test, si je bouge pas, est-ce que je meurs? On va attendre. Ah non, tu meurs pas en fait. Tant que le crayon ne va pas sous l'encre, tu meurs pas. Bon bah c'est cool. C'est cool. Par contre là je pense que je meurs. Ouais, le crayon il va clairement sous l'encre. Ouais. Ouais, faut pas déconner. Ok. Concentration. Ah, je peux pas m'accrocher. Je peux pas m'accrocher au truc. Bon bah du coup, est-ce qu'il me faut mon repop au début du niveau ou pas? Ah bah non, parce que j'ai plus de vie. Moi je vais utiliser ma save, tant pis. Ah mais merde, j'ai fait une save en plein ici. Bon tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Flemme de tout me retaper, je me suis déjà expliqué tout à l'heure de toute façon. Je regarderai après le live. Ah, c'est sympa, tu respectes le travail des streamers, Clary, c'est bien. On va essayer de faire du spectacle. Ah, la musique est sympa, mais bon, allez, je vous la laisse écouter un petit peu. C'est parti. Concentration, exactement. Allez. Et re Daffy Duck, j'espère que ça se passe mieux avec ta connexion. J'espère pour toi. Putain. On va essayer de passer ce machin là. Hop. Ah, y'a un checkpoint, ça c'est bon. Oh, putain. Ah d'accord, faut ramper. Merde. Mais pourquoi le truc il arrête pas de revenir? Bon ça va, je peux passer. Ok, checkpoint. Ça c'est cool, c'est le bon plan. Du coup, j'ai enfin découvert le problème comme un boulet fini. Bah écoute, je te laisse nous le dire du coup. Si tu n'as pas trop honte. Mais en tout cas, content que tu aies résolu le problème. Et sinon, concernant Hollow Knight, franchement, excellente surprise. Et tu t'en es où? Tu l'as fini, Someone? Sans me spoiler, évidemment, dis-moi ce que t'en as pensé vite fait. Est-ce que tu... Donne-lui une petite note, je sais pas, enfin... Vends-le-moi. De toute façon, que tu me le vendes ou non, je pense qu'un jour, je me l'achèterai. Je sais pas quand. Je crois qu'il coûte 15 balles, non? Je crois qu'il est à 15 euros à peu près. Oula, attention. On va faire gaffe, là. D'accord, ok. 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 C'est vachement dur. Hein. Là, c'est vachement dur parce que c'est... Je vais voir déjà si je crève ici. Non, je crève pas. Mais comment faire pour un... Mais... Un souci, là. Attendez. Ok. Ah mais en fait je me fais pas toucher par le pic tant que je descends. Si je suis dans la descente, je meurs pas. C'est que quand je remonte. On va tester hein, ce que je dis. Non, je vais pas être testé tout de suite. J'ai pas envie de mourir. Par contre là, pourquoi je peux pas aller en haut? Bon tant pis, on va aller à droite. Parti. Ah c'est que quand je remonte que je me fais planter. Hein. Je pense que si je descends, ça va. Ouais. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je peux dégommer les trucs en bas. Oula. À mon avis, il faut les utiliser.
En fait, ma PS4 était allumée. C'est-à-dire, Daft Duck, en fait, la PS4 était connectée à Internet, du coup, ça pompait de la connexion Internet, et c'est pour ça que ton PC était moins, arrivait pas à suivre le live en 720p 60 fps, Daft Duck. J'imagine. Nope, mais je dois être à 2-3 heures de la fin. Et du coup, t'en es à combien d'heures de jeu? Est-ce que la durée de vie est sympa? Parce que ça m'intrigue. Sachant que je crois que tu peux choper, il y a une histoire d'âme, tu peux collecter plein d'âmes dans Hollow Knight. Et en gros, tu peux augmenter la durée de vie en faisant tous les boss et tout optionnel. Et ça a l'air quand même exigeant. Il y en a qui disent que c'est le Dark Souls du jeu indépendant de plateforme, lol. Mais bon, après, je sais pas si on peut vraiment comparer les deux. Je peux comprendre qu'il y avait quelques petits airs dans la. Oula. Dans l'ambiance, en tout cas. Et j'imagine qu'il y avait une update en cours. Ah d'accord, Daft Duck. Il y a un gros contenu. Ah, ça m'intéresse. Le Hollow Knight, je pense que je me le choperai. Mais j'aimerais bien le faire en live, pourquoi pas. Hein. Je sais pas si c'est un jeu à live Hollow Knight. Et si c'est le cas, pourquoi pas me le faire sur PC? Je peux tomber là. Ah oui. Bon, pour l'instant. Ah bah tiens, j'ai fini. T'es à la fin. Ok. C'est cool. Ok. Donc ça c'est cool. 21h somme. Ouh, pour un jeu indé, franchement, c'est excellent. C'est excellent, sachant qu'il te reste encore 2-3 heures. Faut tabler sur du 25 heures de durée de vie. Et je sais même pas si c'est en ayant fait les trucs annexes. Hein. C'est peut-être que t'as rushé en ligne droite, je sais pas. Mais très très intéressant. Parce que de nos jours, les jeux indés, c'est vrai qu'ils ont pas forcément cette durée de vie. Allez, on avance. Oula. Comment. T'es sérieux là? Il fallait que je sois encore plus rapide que ça, ok, si tu veux. Non, non, d'accord. Comment faire pour choper la cage en dessous? Ah, en étant petit, peut-être. Il y a un passage en bas, j'imagine. Ok. Ah, tu disais, on s'y perd beaucoup, mais décor et bestiaire hyper variés, ambiance vachement captivante. Cool, j'ai une vie, ça c'est cool. Du coup, tu as bien aimé le boss des montagnes rocheuses Daffy Duck? Pas vraiment. Pas vraiment malheureusement parce que j'ai l'impression que tu dois apprendre ces patterns un peu par cœur. C'est un peu du Dying Retry, surtout sur certains rochers qui te tombent sur la gueule sans prévenir. Je trouve ça fourbe. J'ai senti le boss fourbe. Pas juste dur, hein, vraiment fourbe, c'est ça le mot. Même si je l'ai au bout de 4 fois, 5 fois, mais. Encore le monsieur sac, j'ai trouvé que ça allait. Mais non, non, le stone, encore. Il est bien fait graphiquement, mais. En termes de pattern, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé. C'est dommage. Courir. Ah putain, courir. Putain, Clary, j'ai oublié qu'on pouvait courir. Alors là, c'est de ma faute. Quand c'est de ma faute, je le reconnais. Quand le jeu est fourbe, je le reconnais aussi. Donc là, mea culpa. Voilà. Courir. Sachant qu'on a gagné la course juste avant. Ok, là, je peux choper. Ah, j'ai entendu le petit symbole de. Enfin, le petit. Vous savez, le petit jingle. Ah, mais c'est ça que j'ai débloqué. J'ai débloqué le petit truc pour te faire rapetisser là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais choper la cage, c'est ça. Ouais. Alors, un rappel que j'ai toujours pas fini. Ouais, tu l'as toujours pas fini. Tu penses te refaire quelques runes après la fin pour la chasse au succès? Tu fouilles quand même beaucoup et tu te perds tout autant. Un gameplay évolutif, Metroidvania. Ouais, c'est vrai que j'avais entendu parler que c'était un Metroidvania. J'adore le thème de ce niveau. C'est dommage que la musique de ce niveau elle plante dans. Je parle de Rayman là pour ceux qui voudraient comprendre. Bah là, attendez, j'écoute. Ah non, il y a une petite mélodie en fond. Mais elle est pas. Elle est vraiment discrète. Et t'inquiète pas, le boss de ce monde des crayons, tu vas encore plus le détester. Ah bah c'est gentil de me prévenir en tout cas. Mon cher Daffy. Je vais faire gaffe. Enfin, j'aurais fait gaffe dans tous les cas, mais. Tu me rassures pas en tout cas. Voilà. Donc là on court. C'est. Oula! Il y a une espèce de truc de martien là qui me course. Faire gaffe. Ok. Putain, heureusement qu'on peut s'accrocher. Il est paradoxalement relaxant. Bah, ce niveau-là, ça va niveau de difficulté. Pour l'instant, c'est pas ouf. Mais je pense que les suivants, ça va être pire. Clarifier les messages utiles. Et le jeu coûte 15 euros. Clarifier les bons tuyaux, on va te renommer comme ça. 15 euros, d'accord, ok. C'est ce que je pensais. Par contre, là, on est suivi. Non pas par un psy, mais par. Oula. Je l'ai tué ou pas? Je sais pas. Bizarre.
Ok. Bon, pour l'instant, ce niveau, il est plutôt apaisant. Je préfère largement ce niveau que celui où ça glissait vers les premiers mondes, le 4, 3e, 4e ou 5e, je sais plus. Où t'étais propulsé dans les pics pour. Pour un oui ou pour un non, putain. Je vais me faire avoir quand même là. Est-ce que je peux? Attends, je vais courir, tu sais quoi? Je vais courir. Et là, je le dégomme. Ah non, d'accord, tu peux pas le dégommer en fait. Putain, il y avait sûrement une cage à gauche. Tant pis, on y va. Ouf, on a réussi. Alors. Pour ma part, c'est le boss que j'ai détesté le plus dans ce jeu. Limite, je trouve plus dur que les deux autres, que les deux suivants, qui sont les deux derniers. Alors le dernier, c'est quoi, Mister Dark? Je crois que le boss final, c'est Mister Dark, celui qu'on voit dans la cinématique avec sa cape. Espèce de sorcier, c'est ça? Ou un mage noir, non? Ou un sorcier? Je sais pas. Je pense que c'est un sorcier. C'est souvent des sorciers dans les jeux de l'époque. Là, on est en 95. Oula. Ah, ils m'ont fermé la porte. Genre, tu peux plus t'échapper. Ah oui, d'accord. J'essaie de sauter, en fait. J'ai pas pu passer au-dessus. Donc là, il y a un point de vie, par contre. Oula, j'avais pas vu ça. Il y a un point de vie, par contre, il faut que je sois petit pour passer. Il faut que je devienne Mimimati. On va essayer de se baisser. Voilà. Si on se baisse, il n'y aura pas de soucis, je pense. Ah, si je me baisse, ça devrait aller. Ouais. On va essayer d'aller en haut. Oula. Ah, le truc, il se barre, je sais pas où. Il peut m'attendre ou comment ça se passe? Sauf que les plateformes, c'est des tailles crayons. Ah, Mister Dark, d'accord. Donc là, on va essayer d'aller à gauche, du coup. Il y a peut-être une... Oh le bâtard. Et... Non, je me baisse. Si. Je me baisse peut-être que... Ah, je suis devenu petit. C'est là où je vais pouvoir aller en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a une cage. Putain. Par contre là... Oh là 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 là, c'est tellement fourbe. Comment tu veux esquiver ça? Ah bah tiens, j'ai eu la cage donc je me barre. On va pas se faire chier à buter les petits sacripants. Il faut que je passe rapidement là parce qu'il y a l'espèce d'œil. Oh là là, comment tu veux passer ça? Putain, mettez ça. Ok. Et la suite, par où on passe? Est-ce qu'il faut que je tombe? Je trouve que Strayman possède la meilleure OST par rapport aux deux suivants. Alors je partage pas vraiment ton avis, moi j'aime beaucoup l'OST du 2. Elle est magnifique, hein, l'OST du 2. Mais je pense que, en fait, la qualité des musiques sur PlayStation 1 et sur Dreamcast, je pense que c'est pas exactement la même chose. Quoique sur PS1, c'est qualité CD. Donc je sais pas si sur Dreamcast c'est mieux, mais en tout cas j'ai de très bons souvenirs. En tout cas, je peux tout à fait accepter et comprendre le fait qu'on préfère la bande-son du premier, qui est quand même excellente. Même si là, un peu en retrait, je sais pas si c'est l'émulateur qui a craché ou non. Voilà, j'ai bien fait de sauvegarder en fait, en bas, voilà. Parce que des fois tu peux pas savoir, des fois il y a des passages secrets en bas, bah là je suis mort. Ah donc c'est con en fait, tant que tu essayes pas, tu peux pas savoir si tu meurs ou s'il y a des cages de cachet ou des machins comme ça. C'est pas grave, écoutez, on continue. Du coup il faut que j'avance. Essayer de dégommer tous ces trucs. Putain, mais allez pas me dire que c'est marrant ça. Genre de dégommer les espèces de trucs là pour pouvoir passer. C'est juste chiant quoi, c'est ce que j'appelle de la perte de temps inutile. Ok, on y va. Allez. Allez, touche-moi si tu veux. Oui, toi aussi, c'est la fête. Donc là, je passe au-dessus de ce truc. Et après? Je vois pas où aller. Je ne vois pas quoi faire, j'ai plus de points de vie. Essaye de réfléchir. Ce qui peut être utile. Ah mais je suis con, putain. Faut que je sois petit en fait pour passer là, bien sûr. En fait, tu peux prendre le truc qui est à ta gauche, tu peux le prendre indéfiniment. Y a pas de limitation de durée. Tu peux devenir petit, grand, etc. à volonté. Un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles qu'on a vu il y a pas très longtemps, hier. Avec la chère Clary.
un Disney très what the fuck d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat de Alice au pays des merveilles. J'ai un peu du mal, hein. J'ai toujours eu du mal avec ce Disney. Donc là, si je saute et que je fais comme ça. Oula. Ah oui, en étant petit, ça te permet de passer. Tu te tâtes à tenter l'expérience Majora's Mask randomiseur. Oh putain. Alors j'ai même pas le fait le j'ai même pas fini le Majora's Mask normal, donc c'est pas moi qui vais attaquer le randomiseur. Mais en tout cas, si c'est ton cas, bah je t'encourage à commencer, sachant que je crois que c'est la mode des randomiseurs en ce moment. Je vois genre Zelda 3 randomiseur et tout. J'ai l'impression que c'est un peu la mode. Par contre, comment est-ce que je peux aller en haut quand je suis grand? Merde. Non, je pense pas. J'ai dû oublier un truc. Quoi? Ah oui, tu peux quand même mourir avec... Pfff. Même quand t'es petit, d'accord, ok. Par contre, au niveau de l'ambiance, je préfère Rayman 2. Ah, là, on s'entend, Daft Duck. Après, je ne sais pas si c'est judicieux de comparer un jeu 2D. Alors, comme je l'avais déjà dit dans un de mes lives, je sais plus, je crois que c'est le live... le dernier live... ouais, je crois que c'est ça, c'était avant-hier, le premier live Rayman que j'ai fait. En fait, tu peux comparer certains éléments des jeux. Par exemple, tu peux comparer la difficulté de Dark Souls avec la difficulté de Rayman. Par contre, comparer l'aspect graphique de Rayman avec l'aspect graphique de Dark Souls, à défaut de dire que c'est débile, c'est vrai que c'est pas très pertinent. Voilà. C'est vrai que là, c'est pas ouf. Je te cache pas. Mais tu peux comparer la gestion de la difficulté, par exemple, le dosage de la difficulté. Là, tu peux tout à fait. C'est quoi un randomiseur? Ce sont un culte. Alors, c'est un jeu original, donc officiel, qui a été modifié. Par exemple, dans Zelda 3, tu modifies l'ordre de faire les donjons. Même si dans Zelda 3, il y a quand même certains donjons que tu peux choisir un petit peu dans l'ordre. Enfin, dans un certain ordre, même si... Enfin bref, il y a certains donjons que tu peux faire, je crois, un peu dans l'ordre que tu veux. Mais quelques-uns seulement. Et en gros, c'est pour... voilà, c'est les coffres. Le contenu des coffres dans un Zelda a été changé. Genre au niveau 1, le choper l'arc, tu vas choper, je sais pas moi, le gant magique, les flèches... Enfin, pas les flèches, parce que ça va avec l'arc, mais les bombes. Enfin ouais, je te dis une connerie, mais t'as compris. Ça mélange en fait les loots d'items importants dans les jeux, ou l'aspect des donjons, les boss, enfin la localisation généralement à la fois des objets et de certains lieux. Enfin, je pense que ça varie d'un randomiseur à l'autre. Hein. Je connais pas tous les randomiseurs qui existent. On va se méfier. Bon, je vais avancer. Allez, on y va. Imagine-toi le même jeu mais avec des objets trouvables n'importe comment, c'est un peu ça. Ouais. Exactement Toto. Ça dépend des jeux après, ouais. Tu connais Ocarina of Time? Bah tu l'avais pas fini Ocarina of Time, hein. Tu l'avais sur 3DS. Faudrait qu'on se le rachète sur 3DS, la version 3D d'Ocarina of Time. Je pense que ça nous ferait plaisir à nous deux de nous le refaire. Donc là en fait il faut être dans le creux pour sauter. Putain, je dis ça, je me fais avoir. Ça, c'est compliqué. Ok, ça passe, mais c'est vraiment chaud. C'est millimétré le truc. Étrange comme concept. Ouais, bah c'est pour ceux qui aiment les jeux originaux, je pense qu'il arrive pour les refaire d'une façon différente en fait. Ça permet d'éviter de trop se lasser, de refaire toujours le même jeu. Il y a des speedrunners qui en ont peut-être marre de faire les mêmes jeux à chaque fois, donc là ça permet de varier un petit peu l'expérience de jeu. Et c'est bien que ça se... Ouh putain, je me concentre. Que ça... Comment tu peux savoir qu'il y a des pics ici? Bref, c'est bien ouais, justement d'avoir des expériences de jeu différentes. Ouais. Un second souffle, tout à fait. Donc là, je vais reload ma save. Ah, putain de merde. Bon. On va lui péter les dents. Ah, c'est excellent parce que dans le premier monde, les piranhas, tu leur pétais les dents. Ouais. Tu voyais leurs dents qui se cassaient en direct. Alors, on va se concentrer. Ok, ça passe. En fait, si tu te dépêches, ça passe. Ocarina of Time, c'est le seul Zelda que j'ai fait, donc t'es bien tombé. Mais entre guillemets, fait, parce que tu l'as même pas fini, Clary. Tu peux même pas dire que t'as fini un Zelda dans ta vie, ce qui est pas cool, quoi. Moi, je vais te conseiller Zelda Link's Awakening, je pense que tu vas le kiffer. Oh, putain, mais je retombe au même endroit, c'est dingue. C'est fou, ça. Est-ce que je veux avoir des... Ah, au moins, il me donne des points de vie, ça, c'est cool. Ah, mais j'ai le même nombre de points de vie. Ok. Je fais F5 parce que le chat de live bug merde. T'as raison de faire F5. Resident Evil, ça te randomise les salles aussi. Ah ouais, je connais pas par contre le randomiseur de Resident Evil. Pff, se méfier.
Putain, c'est compliqué. On va essayer d'éloigner au maximum les trucs. Ah, je pense qu'il faut faire ça, faut les éloigner en fait. Donc là j'ai le point doré. Donc ça va vachement m'aider. Ah merde, ça c'est le bon que je veux. Comment tu veux que je passe avec ce truc là? Dégage toi, hop. Ah, j'espère que je vais pouvoir passer. Putain, je me suis quand même fait avoir. C'est fou ça. Allez, il va m'en rester un. Normalement, je vais pouvoir remonter avec ça, j'espère. On se concentre. Est-ce que je... Ah, je peux même pas remonter? Comment fais-je? Comment fais-je? Comment tu veux? Mais... Un truc que j'ai pas capté ou quoi? Ou alors emmener le bon truc à gauche là. Quoi cette merde? Je suis bloqué? Est-ce que je suis Keblo là? Oh putain! Encore un défaut du jeu, vous avez vu? Le repop d'obstacles chiants, genre les pics. Mais comment tu veux que je passe? Est-ce que je suis bloqué? Dites-moi si je suis Keblo ou pas. Parce qu'ils m'ont mis une vie à gauche, mais genre ils t'ont mis une vie pour essayer de compenser le fait que tu sois bloqué et que tu sois mort. Putain de merde. Ah, c'est le genre de truc que je déteste. Perdre du temps inutilement. Je crois que c'est au millimètre, mais... Ah ouais? Au millimètre. Essayer de taper dessus. Non! Non, putain. C'est pas le bon que je voulais. Oh là 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 là, qu'est-ce que... Ok, vas-y, vas-y, c'est ça, touche-moi. Putain, c'est horrible. Et ça, c'est fun, hein. C'est censé être fun. Rayman, PS1, meilleur platformer 2D ever, je veux le dire. Bon. Putain. Tu sais quoi? Ça me casse les couilles. Non, non, mais c'est bon, j'en ai assez de ces conneries. Voilà, l'autre de la SA, ça ira plus vite. J'en ai assez de conneries de développement, voilà. Voilà. Voilà ce que je dis aux développeurs du jeu. Ça me gave. Non, non, mais je pense que rien du tout, Clary. Voilà, je me prends. Le jeu est mal. Ça fait partie des moments mal branlés. Donc. Putain, vas-y, je perds mon sang-froid, tu vois. Donc je fais de la merde. Je vais quand même te lire. La boule sur en dessous de la paroi, oui, et que je rebondisse de la même façon. Ah, ça m'a cassé les couilles, je veux le dire. Si le jeu était mieux fait, j'aurais peut-être pensé différemment. Ok. Tu mets 3 ans à écrire une phrase. Mais... Mais j'ai même pas pu sauter. Non, c'est pas mettre la pression là, Dave Duck, c'est emmerder les joueurs. C'est ça la différence. Écoutez, on va tenter, d'accord? On va essayer votre stratégie, si je me fais pas tuer, parce que j'ai un point de vie. Putain de merde. Quoi, cette séquence qui n'a aucun sens? Il y a plus de musique. Bon, ça, je pense que c'est l'émulateur qui bug. Il y a des espèces de pointes de merde. C'est ça, putain, c'est millimétré. Être exactement en dessous quand ça rebondit. Par contre, tout à l'heure j'ai sauté, ça a pas marché. Putain, c'est possible. Mais j'ai sauté! Attends, ils se foutent de ma gueule là. Je commence à en avoir à le cul. Là je saute. Mais c'est quoi cette merde? Je vous assure que je saute. Hein. Je vais aller par là, peut-être que j'ai raté un truc. Hein. Peut-être rater un truc. Peut-être prendre plus d'élan. Putain, c'est ça. En fait, tu peux pas passer tant que tu retournes pas en arrière. Faut retourner en arrière, ouais. Si tu veux. Si tu veux. Comment tu veux passer en haut là? Non, bah je peux regrandir que quand j'aurai à nouveau un personnage qui va me refaire grandir.
comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand t'as un champignon que tu bouffes, qui te fait regrandir. C'est la même. En fait, mieux vaut que tu viennes ici en grand Rayman, justement. Mais je ne peux pas. Je crois pas. Je crois que c'est une séquence entièrement petit. C'est ça le truc, les gars. Sinon, je l'aurais fait. Hein. Regardez, t'es obligé d'être petit pour être là. Je crois. Hein. Non? Y a pas de... Enfin, moi, je vois pas de... De bestiole, là, pour te... J'ai de bonnes intuitions. Pourquoi tu dis ça? Non, y a pas de moyen que je regrandisse. Donc, je vois pas en quoi t'as une bonne intuition. Ok, à toutes. À toutes, à toutes. Voilà. Tu vois, typiquement, ça, c'est un passage, t'es obligé d'être petit. Donc, je pense que c'est fait exprès, en fait. Y avait pas de... Une news vient de tomber. Rayman fait rager Bart, c'est ça la news? Alors attends. Déclencher un truc. Qu'est-ce que c'est? Microsoft va tenter d'élargir le crossplay à la Switch. Ah cool! Ah c'est bien ça. Je sens que je vais crever là. Oula. Il faut que j'alterne. Cool. Vas-y, continue le chemin, tu verras bien. Ouais, je pense qu'à la fin du chemin, ouais, on va. Il y a un ennemi qui va me faire regrandir. On va refaire le niveau. D'accord. C'est parti. On va le refaire. On va le refaire de manière légite, on va essayer. Putain de merde. Une news, pas une vérité générale. Ok. Ah, la musique en tout cas repop. Parce que en tout cas, ça ne veut rien dire. Là je saute. Ah c'est ça, putain, dès le début c'est ça. Ok, allez, on va se concentrer. Concentration les gens. Original en tout cas les séquences où t'es petit. Je sais pas si vous avez raté une séquence lors d'un niveau précédent, mais les cheveux de Rayman nous permettaient de voler mais plus haut, c'est-à-dire où on voulait. On pouvait se déplacer à volonté en fonction des pressions qu'on faisait sur X. Ah c'est lui que j'ai pas vu tout à l'heure. Espèce d'enfoiré, voilà. J'ai pas le temps de le voir. En fait j'ai même pas le temps de lire le chat parce que les ennemis peuvent popper n'importe où devant toi. Voilà, vous avez vu là. Est-ce qu'il va me suivre? Non. Donc là, je vais courir, sauter. Hop. Ok. Un casse-couille. Et... Comment je... Et il faut que je perde mon temps à dégommer chacun des trucs. Si tu veux. Ok. Vous avez du temps à perdre ou pas? Allez, c'est vachement fun. Hein. On va les dégommer un par un. Ok. Dégagez s'il vous plaît. Putain, il y a un niveau bonus en bas, est-ce qu'on le fait? Je tente, mais seulement en sauvegardant. Comme ça, si je perds, tant pis. De toute façon, je suis pas sûr que je puisse perdre des vies dans les niveaux bonus. Hein. On va essayer. Ah non, il m'en faut 10. Ah, j'en ai pas assez de toute façon. J'ai pas assez de boules magiques. La boule magique est reclarie. J'espère que je suis bientôt à la fin du level. Ça serait une bonne news. Pourquoi je peux pas passer? Tu m'expliques?
Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer alors? Avez-vous seulement vu ce qui vient de se passer? Je vous explique. Attendez, je vais essayer de me débarrasser de lui, ce qui n'est même pas sûr. S'il me lâche. Je vous explique. Regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, je suis allé en bas. J'ai essayé d'aller à droite, de monter sur la... Enfin, de continuer pour aller au panneau. Le problème, c'est qu'il fallait que je débloque un truc invisible. Donc, dans les airs, en sautant au-dessus des cheveux de Rayman. Exactement. Someone. Et bon, je l'ai déjà dit dans mon live précédent, mais est-ce que... Enfin, vous trouvez ça bien, fun, bien pensé ou quoi que ce soit? Parce que pas moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai déclenché l'apparition du petit mec en haut, là, qui va faire en sorte que je sois petit. Et après, voilà. Et après, je pourrais continuer. Sachant que là, je vais peut-être creux. Et là, je dois re-sauter pour... Voilà. Voilà. Ça commence à faire hein, les petits trucs que je reproche au jeu. Parce que je reconnais beaucoup de qualités. Hein. L'OST... Oula. Oula. Attendez, j'ai plus qu'un point de vie. J'ai plus qu'un point de vie, donc bon, vous m'excuserez. Parce que sinon... Il me redonne pas de vie, il me redonne aucune vie après les niveaux. Donc, on va essayer de se concentrer. C'est qui lui? C'est un boss? C'est quoi son nom? On va se concentrer. En plus, un point de vie pour faire le boss, putain. Mais ouais, c'est. Mais le jeu ne t'en redonne même pas des points de vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai quoi d'autre comme solution? Là, c'est du one shot, quoi. Ça fonctionne plus avec les cages. Allez, gens, on va courir pour essayer de... Ok. Si tu veux. Deuxième essai. La musique est sympa, hein, on écoute. Et je vous laisse regarder hein, ce qui se passe. Vous allez me dire si vous... Sachant que lui il veut pas que je le touche. Putain. Cool. Je l'ai eu après. Faut que j'avance. Me faire avoir quand même. Ok. Ok. Oula. Avec son rouleau compresseur, elle va me... Ok. Genre le couteau se retourne et te plante le cul. Non mais... Ça c'était la... Non je vais rien dire. Je vais rien dire. Voilà. Le jeu ne me redonne pas de vie. Hein, donc à partir du moment fuck. Hein. Fuck j'ai envie de te dire. Allez. Mais les couteaux qui se retournent sur toi, quoi. Comment t'es censé le savoir? Alors que de base, le couteau, il est planté au sol, tu peux rebondir sur le manche. C'est le genre de détail qui est débile. C'est complètement con. Au bout d'un moment, ça va finir par passer, hein, je bourrine. Si je suis acharné, je pense que ça passe. Voilà, j'ai trouvé une technique pour cheater un peu le jeu, mais que voulez-vous? Je pense que ça va passer. Allez, technique du bourrinage. C'est bon. Allez, du coup, la grosse là. Donc là, je peux monter dessus. Là, je lui dégomme la tronche. Et par contre, après, là, je vais à côté. Je fais comme ça. Je peux lui redégommer la tronche. Oula. Oula, attendez, je me mets au milieu. Non?
veux pas que je me mette au milieu? Bon là ça va, c'est facilement esquivable. Ah j'ai le temps de les esquiver, ça va. Est-ce que j'aurais dû lui dégommer la tête là, c'est ça? Ah non, ok. Ok. Ok, donc là ça va. Pour l'instant ça va. Les couteaux lancés par un ennemi, je me doute qu'ils vont pas rester inoffensifs longtemps. Bah si, genre, il y a des couteaux qui disparaissent. Enfin, je veux dire, il y a plein d'objets dans les boss, dans pas mal de jeux, où les items, quand tu les utilises une fois, ça disparaît. Et bah là, le truc, il se retourne et ça te plante sans prévenir, en fait. Utilise la technique secrète du haut couteau de cuisine. Il est conçu. Ta technique, c'est de la bombe. Elle a changé l'élo submarine. Putain, vous avez aucun respect, hein, le chat. Donc là, cette attaque, ça va. Franchement, t'as le temps de voir venir. Oula. Ça s'accélère ou c'est moi? Attendez. Je pense que ça s'accélère un peu là. On va se méfier. Ah mais tu peux même pas la toucher quand elle retombe. C'est seulement quand il y a... Oula. Quand il y a cette phase là. Donc là je me mets à côté. Je me baisse. Ah c'est ça. Ah, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Essayez de l'avoir comme ça. Il en reste 2 points de vie. Je vais me concentrer. Non! Quoi? Un point de vie pour le boss, c'est reparti. Je vais pas me prononcer hein, sur ce qui s'est passé. Hein. Je vais pas me prononcer. Je pense que si vous avez suivi la jusqu'ici, vous comprenez ce que je pense. Ah, tu sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, ça le touche. Voilà. Ensuite, toi. Ok. Allez, ramène-toi. Une minute de silence pour ce fail. Ah non, c'est la même vitesse en fait. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est la même vitesse, les couteaux vont aussi rapidement. Ok. C'est à la troisième fois que ça fait n'importe quoi avec les couteaux, je crois. Je crois que c'est à la troisième fois. On va se méfier, on va s'en tenir loin, le plus loin possible. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est là que ça déconne, non? Je crois que c'est... Non! C'était pas là. C'était la quatrième fois, en fait. C'était la quatrième fois... Ok. C'est pas grave. On continue. Allez, ramène-toi. Voilà, ça c'est le mode bourrinage. Et voilà, ça passe. Ça passe, c'est toujours bon de bourriner. Hein. Un bon bourrinage dans les jeux. Toujours au top. Et voilà. Aucun souci hein, jusque là. J'espère qu'il n'y a pas un autre boss encore après. Là on se baisse, on avance, ok, aucun souci.
C'est à la quatrième fois quand il reste 2 points de vie que ça fait nimp. Ok. Oula, c'était chaud là. C'était chaud là. Je trollais Clary. Je vais tomber dans mon troll. Alors, attends. Hop. Là, ça passe, je me baisse, j'avance, ouais. Aucun souci. Hein. Ah, ça va être un peu relou. Esquiver. Esquive. Esquive du gros chamois. Esquive du loup enragé. Et là, je pense qu'on est bon. Donc là, je vais pouvoir la toucher encore 2 fois. Ah non, 1 fois. C'est après que ça fait de la merde. C'est après que ça fait de la merde. Voilà, c'est après. Après, ça fait de la grosse merde. Il a pas passé la pire partie encore. Il y a encore une phase de boss après. Putain. Ah, tu me fais flipper, là. Tu me fais flipper, là. Attends, attends, attends. Je me concentre. C'est là où... C'est là où ça fait nimp. C'est là. C'est là. Mais... Oh, ta mère. Ta mère. Casse-toi. Casse-toi. Oh, yes. Putain. Il faut se baisser, en fait. Ok. Oh, putain. Est-ce que ça refait nimp ou pas? Non, c'est bon. Ah, c'est que avant que ça fait nimp. Et là, là, ça se remet normalement. Excusez-moi pour le tamer. Je suis un peu... Je me concentre. Concentration. Ok. Ok. Non mais, t'es un peu relou, Shiro, là, avec ton 6 ans, honnêtement. Là, c'est plus marrant. Au début, c'était peut-être un peu marrant, mais là, non, ça ne l'est plus. Ok. Yes. En plus, j'ai aucune preuve. Qu'est-ce que tu as ? Ah, c'est bon. C'est bon. Putain. Parce que moi, je peux très bien balancer que quand j'étais ado, j'ai fini toutes les missions de F-Zero GX en mode hard également. Que j'ai fini Super Mario Kart toutes les coupes en or à 6 ans également. Je suis pas sûr que ça soit ton cas. On n'est pas dans un concours de gros zizi après, tu vois. On n'est pas dans un concours de kiki en béton. Tu ne peux pas tester de toute façon. On rappelle le sadomasochisme, c'est mal. C'est un peu ça. Non mais tant mieux, franchement, tant mieux si ça si t'as fini le jeu à l'époque et si ça t'a plu. Après... tu y laisses quelques neurones, quoi. Donc là, je suis où? Je suis... panique aux punaises. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir. Et oui, on est tous au courant. Donc là, on va sauvegarder. Ici. Alors, Shiro, je fais un petit rappel. Parce que tu es arrivé. Je m'autorise à faire des save states au checkpoint du jeu. Genre, dès que je vois un checkpoint dans le jeu, c'est-à-dire un personnage, tu sais, qui te fait prendre une photo pour... Voilà, je m'autorise à en faire. Voilà. Et à la partie dure du jeu, merde. C'est vrai que c'est maintenant. Bah écoute, c'est parti. Hein. C'est parti. J'ai le droit de boire un petit peu d'eau avant. Sachant que... admire le nombre de mes points de vie. Et le nombre de mes vies également. Je trouve que c'est sympa en fait. Moi je trouve ça, voilà. Quitte à ce que ça soit hardcore, autant que ça le soit jusqu'au bout, non? Vous en pensez quoi? Oula, merde, d'accord, ça annonce la couleur. Le jeu me fait redégager sur la map. Et évidemment j'ai touché la pancarte. Ah, je suis monté sur le petit bouchon, j'ai déclenché une plateforme. C'est mignon. Oula, quoi ce truc? Okay. Quoi? Les flashbacks du Vietnam. Ah merde! Ils m'ont remis au boss. Heureusement que j'ai sauvegardé. On va reset du coup. Putain les bâtards. Ok, j'ai oublié de sauvegarder normalement, enfin avec la sauvegarde normale. Ok. Dans le monde de Rayman, oui. On est au courant. Tu vas juste mourir en boucle, je spoil. C'est vrai?
Lecture de la carte mémoire. Lis la plus vite, s'il te plaît. Utilisation de la carte mémoire. Utilisez la plus vite, s'il te plaît. 29%. C'est parti. Jeu. C'est parti. Ok. Pas sûr que ça passe. Si j'arrive du premier coup, Shiro, est-ce que tu sors à poil dans la rue? En mode, tu dis Alléluia mes frères, à poil dans la rue. Chiche, tu vas dans la rue à poil, tu fais, tu fonces dans ta rue deux fois, aller-retour, et tu gueules Alléluia mes frères. Voilà, à poil. Si je ne meurs jamais. Bon. Par contre, je sais pas si c'est très malin de faire des safe states, car là, tu fais quoi avec zéro vie? Bah en fait, j'essaie d'en trouver, mais le jeu va m'ordonner. Sinon, il est encore plus mal foutu que ce que je pensais. Avant les tests aussi, tu fais des safe states. Oui, avant les tests, quand j'ai fini un niveau et que je me dis ah, tiens, à droite, y a du vide. Est-ce que je me laisse tomber pour voir si je meurs ou pas? Parce que évidemment, t'es obligé de te laisser tomber pour savoir. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Donc, les vies sont rares. Ah putain. Attends, on se concentre. Est-ce que je peux monter là-dessus au moins? Ouais. C'était juste pour un. Ouais, il y a sûrement une cage en bas, mais je vais pas y aller, putain. On va la faire en normal. Est-ce que je peux descendre ici? Je peux pas aller ici. Putain, j'ai qu'un point de vie quand même. Une cage. Putain, la pointe elle me tue là ou pas? Allez, on a dit pour les tests. En temps normal, je le ferai pas, mais je fais une sauvegarde. Non, j'en fais pas. J'en fais pas. C'est peut-être un défaut, mais je vais pas en faire. Parce que je pense que je vais me faire planter le cul en fait par le. Attends. Là, je te spoil, t'y arriveras jamais comme ça. Je te rappelle, je connais le jeu quasi par cœur. Je sais qu'après. Sauf si tu fais tout perfect avec un point de vie, tu fais rien. Ah bah tiens, en fait avec le point ça marchait. Bah du coup comment je fais? Alors je retourne en arrière. Mais du coup des vies, il faut que je trouve un monde où ça distribue plein de vies. Et je connais pas le jeu. Donc à moins que tu me donnes un tuyau. Oula, j'ai entendu un petit truc là. Sauf si safe state, ouais mais... Le problème, c'est qu'on va essayer d'éviter ça, quoi. Sauf au checkpoint, hein, je l'ai dit, les checkpoints, j'en fais. Du coup, attends. Ah, attends. J'ai débloqué le stylo de gauche, non? Je crois. Attends. À moins que ça soit un truc en haut. Non, j'ai rien débloqué ici. Ok. Pour l'instant, ça passe. Même en faisant des sauvegardes, il va en faire toutes les 5 minutes, ça n'aura aucun intérêt. Tu penses que je vais quand même crever, même avec des sauvegardes? C'est-à-dire. Le jeu est si compliqué que ça. Et il mourra en boucle, car à des moments, c'est presque impossible de pas se faire toucher, sauf si t'es Dieu. T'as pas encore compris que j'étais Dieu? Le gros connard, tu sais. Voilà, se concentrer. Mais du coup, comment je fais si j'ai un point de vie? Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Parce que c'est pas que j'ai pas envie de me faire chier, mais bon, voilà quoi. Ok, là on se la joue à la Snake dans Metal Gear. Oula, ça m'a l'air compliqué là. Je pense que ça m'a l'air compliqué. Tu es à la partie la plus dure du jeu, mec, tu dois faire 4-5 niveaux sans perdre un seul point de vie. Alors j'ai dit j'utilisais des saves au checkpoint. Et là. Oula. Comment je fais pour... Je vais mourir? Putain, c'était prévu pour que je réussisse. Mais le jeu me laisse un message. Là il me dit, t'as vu? Je t'ai laissé en vie parce que je l'ai voulu. Parce que je suis sympa avec toi. Mais la prochaine fois, faudra pas compter sur moi. Tu te démerdes. C'est comme ça que je le vois, je vous le dis. Je vous le dis clairement, c'est comme ça que je l'entends. Impossible sauf si tu speedrun.
Au pire des cas, il y a un moyen de pécho des vies supplémentaires. Ouais, ça c'est ce que je demandais justement. Alors attends. On va essayer de l'avoir ce bâtard là. Putain. J'arrive même pas à le toucher. Mais. Ok. Jusque là ça va. Par contre en dessous, je sais pas ce qu'il y a. Je flippe. Il y a un checkpoint. Donne-moi le checkpoint, please. Pas ton bâtard, yes. Ah, donc je m'autorise une save. Hein. Qui dit checkpoint dit save, on l'avait dit. Rappelez-vous. L'ennemi qui s'astique le manche, quoi? Ah, tu parles. T'es dégueulasse. Tu parles du truc qui te tire des missiles, là. C'est vraiment dégueu. Hein. Alors. Oula, il y a un truc en bas, là. Il y a un truc en bas. Quoi? Tu vas faire quoi là? Ok. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'attend, mais je vais continuer comme ça, écoutez. De bâtard. Meurs. Je peux pas l'avoir de là. Vu les premiers niveaux sont plus simples, ouais, je pense que c'est plus facile de pêcher au David. Le problème, c'est que j'ai pas envie de farmer pendant des... Je peux pas l'avoir. Ok. J'imagine qu'il faut que je sois gros. Soyez gros dans les vies. Comment je fais pour... Ah, faut que je tape le truc. Ok. Je pense que j'ai compris. Il faut que je tape le truc. Ok, d'accord, c'est passé. C'est passé. Bah si t'as des safe têtes avant le moment où il te reste un ou deux continue. Ça serait mieux, ouais. Écoute, je vais essayer comme ça. Après je comprends ce que tu me dis. Je me dis peut-être que je vais être. Grave dans la merde. Ceci n'était absolument pas fourbe. Moi je dis que c'est normal. Ça doit exister dans tous les jeux. Voilà. On va se concentrer. Il n'y a pas de souci. Je connais maintenant. Là je fais ça. Ensuite là je monte. Ouais. Mais. Comment ça j'y arriverai jamais? Il faut être Dieu pour finir ce jeu ou comment ça se passe? Expliquer là. On est parti pour 10 heures dans le monde des dessins. Ok. Je comprends pas en fait ton point de vue parce que si je fais des saves au moment clé et que je passe chaque obstacle grâce au save par exemple, je peux continuer. Donc on va pas comprendre mon seigneur. Reviens petite boule, s'il te plaît. Putain. Ok. Reviens. Oh yes. Ah c'est bon. Par exemple, si je fais une save maintenant. Je vais pas en faire une parce que c'est pas ouf, c'est pas cool. Mais. Saloperie. Hein. Saloperie de monstre de merde. Ah, c'est typiquement le genre d'ennemi qui me donne envie de faire des sauvegardes. On va se concentrer. Se concentrer les gens. Si tu te fais des save à chaque obstacle, autant faire un cheat pour finir le jeu direct. Non, non, mais là, j'en fais pas. Je dis juste que tu me dis que c'est impossible. Je pense que ça reste possible. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas utilisé à part les checkpoints, quoi. Je m'autorise à en faire au checkpoint. C'est ce que j'ai dit. Oh, c'est Debussy la musique. Vous avez reconnu? Vous savez quand je vous ai dit que quand tu chopes des orbes bleues les unes à la suite des autres, ça fait des petites mélodies.
Là, j'ai l'impression que c'était une musique de Debussy. Qu'on retrouve dans The Evil Within, pour ceux qui ont joué au jeu. Pas Clary, je pense, parce que les jeux d'horreur, c'est pas tant fort. Oula. Ça m'a l'air compliqué, là. Ah, je vais pas faire de save, mais franchement, genre... Pff, allez, j'y vais. C'est parti. Vais essayer de continuer sans save. Hein. Mais là, clairement... Clairement, c'est dur. Impossible si tu joues normalement, c'est-à-dire si tu fais pas de save déjà. Encore impossible si tu fais des saves juste au début. Je peux, ce jeu n'est pas impossible. Il est juste extrêmement... Trouvez le mot que vous voulez. Quoi? La pointe du stylo te tue... Oui. D'accord. D'accord. Non mais au moins on le sait maintenant. C'est ça l'important, c'est d'avancer, vous savez. C'est d'apprendre de nos erreurs. Même si les erreurs... Et... Ah oui, débat philosophique dans le chat. Est-ce que c'est une erreur à partir du moment où tu ne savais pas quelque chose et que tu te fais niquer? Voilà. Ça, je pense que ça mérite débat. Est-ce que c'est une erreur? Hop. Le jeu est pas impossible. Mais là, t'as un point de vie. Mais je tends pas le bâton. Tu crois que j'ai choisi d'avoir zéro vie, Shiro? Depuis tout à l'heure, je suis en train de te demander est-ce qu'il y a un moyen de choper des vies? Même Daffy Duck t'a posé la question. Et t'as pas répondu. Donc au bout d'un moment, soit je me fais chier dans d'autres niveaux, je sais pas. Soit je fais des sauvegardes, quoi. Si le jeu est bâtard à ce point-là, je vais être bâtard avec le jeu également. Quitte à ne pas être un puriste. Mais je sais que c'est pas bien. Moi, je suis le premier à regretter ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, faut arrêter le foutage de gueule, quoi. Ouais, je vais persister. Écoute, je vais continuer encore un peu. Bah, j'ai fait une save, mais en même temps, je peux me remettre ailleurs, y a pas de souci. Putain. Je peux tout à fait me remettre ailleurs. J'ai une save où je suis quelque part d'autre, je sais plus où. Ok. C'est une erreur, mais c'est pas forcément de ta faute. Ok. Ce Evil Within ne m'a jamais intéressé alors que j'aime bien les jeux d'horreur. Alors je l'ai jamais terminé, j'ai joué avec mon ami Julien. Je l'ai jamais fini, on avait bien aimé l'ambiance, je me rappelais plus de lui, hein, putain. Mais en tout cas, The Evil Within, un hard, c'est je vous conseille pas, je vous conseille de le faire en normal parce que même en normal, il est prise de tête. Donc là, essayer de faire ça. Attends, c'était où que j'étais mort? Là, on a dit qu'on... On se dépêchait. Ok. Je vais essayer de choper des... Il n'y a pas de points de vie. Il te donne même pas de trucs ici. Je t'ai répondu, il y a des vies, mais c'est rare. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un niveau où tu peux farmer? Genre, les premiers niveaux, est-ce qu'il y a une vie facile à choper? Après, tu quittes le niveau, est-ce qu'on peut quitter? Par exemple, si je fais start, est-ce que je peux quitter comme ça? C'est la bonne question, ça. J'ai reconnu Debussy, t'as reconnu Clary. Ouais. Hop. Parce que ce qu'on a constaté justement avec Daff et Clary tout à l'heure, c'est que en fait j'ai battu le boss et il te redonne même pas de points de vie, enfin pas de vie ni de points de vie. Je crois à ma connaissance que c'est le seul jeu, enfin j'ai pas tout en mémoire, hein, mais qui ne te redonne pas tes points de vie quand tu bats un boss. Je pense que c'est intéressant de chercher d'autres jeux qui ont ce système là, qui te redonnent aucun point de vie quand tu bats un boss. C'est extrêmement rare, je pense. Potentiellement unique. C'est peut-être seulement Rayman qui possède ce genre de choses-là. Alors ça sera intéressant à savoir en tout cas. Bon. À se concentrer les gens. Oula. Ce gros bordel. Faut que je monte là? Oula.
Ok. Pff, ah, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Donc on a dit les débuts de niveau et les checkpoints safe, mais le reste je me démerde, je fais le niveau en, enfin normalement. Ah, la potion magique. Ah bah tiens, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, regardez. Ça c'est génial, je trouve ça génial. Regardez. Les cheveux déjà de Rayman sont roses et bleus. Et en fait quand je fais des pressions sur X, je vole. Comme ça. Je peux voler. Ah merde, j'ai raté le power-up, Shiro. Ah merde. Bon, c'est pas grave. C'est de ma faute, hein, mais je l'ai pas vu. Je sais pas où vous l'avez vu. Bah oui, tu connais le jeu par cœur, mais les autres, je sais pas s'ils l'ont vu également. Enfin, t'es sûr que c'est Debussy? Oui, je suis sûr, Clary. J'ai joué à The Evil Within et c'est la mélodie des sauvegardes dans The Evil Within. Donc c'est Debussy. Je suis sûr à 99%. Bart, qui a un point de vie gratuit à sa gauche. Ah merde, ce moine aussi, tu l'as vu. Mais heureusement que j'ai des points de vie. Ah, là, écoutez la musique. Écoutez-moi ça. Écoutez. Ah merde, elle a planté. Est-ce qu'elle a planté? Est-ce que je vais aller à gauche? Ah, il y avait une cage. Ok. Ce niveau demande une sacrée patience pour éviter ces fameux pics. Je vais me concentrer, Daf. Oula! Putain, heureusement que j'ai bien checké. C'est un piano, quoi. Ok. Se concentrer. Je vais courir, je pense. Est-ce que je peux courir en ligne droite? Attends. Donc ça, je... Ouh là, attention. Ah non, 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 non. Ah, c'est extrêmement dur. Il faut que je tape du poing et que je réactive le truc juste après. Ah, c'est super dur. Là, c'est super dur. Ça s'est joué. Oh putain. Là, je vous cache pas que c'est compliqué. Putain, je tape que dans le pic du milieu. Allez! Oh putain. Ah oui. Ah, je peux pas passer. Quoi? Quoi? Mais. Comment faire? Comment fallait faire là? Je suis passé en force, mais. Déconne pas Bobby. Il y a un point de vie en dessous. C'est la trappe Nigo. Je vais me faire niquer. JPP de ce jeu. JPP, je vous le dis. J'ai les mains moites. Hein. Et... Ouais, là c'est compliqué là. Ça fait travailler le palpitant. Concentration. Putain. Non, non. Quel bâtard. Pourquoi il est tombé? Mais... Pourquoi il est tombé? Je comprends pas. Je comprends pas là. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai touché le plafond. Bon. Seille. Quoi, Seille? En plus t'as la petite musique, tu sais, à côté qui te fait ta-na-na-na-na. Tu vas te faire niquer. C'est le truc vachement trollesque, la petite musique qui est en contraste total avec la fourberie du niveau, tu sais. Tu vas te faire bouffer. Tu vas y rester.
Moi, je fais bien avec ma bleue. Ah, mais en fait, quand je touche le plafond, ça me fait pas descendre. Comment ça se fait? Je comprends pas. Pourquoi j'étais descendu? Pourquoi? Ah! Ah, c'est quand je tape sur une paroi dure comme ça, regardez. Hop, ça me fait retomber. Putain, c'est bon à savoir ça. Attendez. Mais ça me l'a pas fait sur le plafond de gauche. Extrêmement bizarre. Ok. Ah putain, ça c'est la séquence que j'aime pas. Je déteste cette séquence. Comment? Après, comment je m'accroche? Ah d'accord, c'est juste en... Putain, en fait, fallait te coller plusieurs secondes à la paroi, comme ça t'avances et t'y vas. Ok. Ok. Moi, je le fais bien avec ma blague annulée. L'hélico au truc, tu veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Putain, merde. Donc c'est là que je me suis fait en papaouté tout à l'heure, là. Ok. Ok. Ah merde, j'ai raté le point de vie. Bon, tant pis. On va faire 100 en espérant en trouver un autre plus tard. Sachant que c'est rare dans ce jeu, j'aurais peut-être dû le choper. Peut-être une mauvaise opération de ma part. Ah mais c'était... Attendez, c'était... Ah non, c'est pas le coin en fait. Ok, je comprends. C'est pas le coin, c'est vraiment le plafond qui me bute. D'accord, ok. Checkpoint. Sauver les gens. Sauver. J'ai perdu 3 litres d'eau. Je vous le dis. Petite photo pour la route. Bon. What? Le truc qui m'est tombé dessus. Heureusement qu'il m'a pas touché. Il y a des ennemis qui pop de manière... Encore pire que ça, que ce qu'on a eu ici. En se basant sur mes propos, Clary, t'auras beaucoup de mal à faire l'hélicoptère techniquement. J'ai failli faire la blague, mais je t'ai laissé le roi. Ah putain, ça m'étonne pas de toi, Clary. Un peu de tenue, s'il te plaît. Ah, mais ce niveau est excellent. Bon, il est dur, mais. En fait, le gameplay est parfait. Il est millimétré. Quand tu fais une pression. Avec X, il avance un tout petit peu d'un cran et après il diminue. Ce qui est dur, c'est les ennemis qui apparaissent sur toi, quoi. Ça, c'est... Ah, il y a une vie, là. Yes. Ça, c'est bon, ça. Ah, stylé. Regardez les décors, là. La peinture de toutes les couleurs. Hein. C'est super joli. Hein. Oula. Ça, par contre, c'est ce que j'aime pas. Ça revient. Mais... Comment il a esquivé mon attaque? Il a fait un espèce de rodéo. Ah, ils me mettent un autre checkpoint ici. Bizarre qu'on ait deux checkpoints très rapprochés. C'est bizarre. Alors, par contre là je suis en train de me poser la question. Est-ce que la hitbox des pics est permissive ou pas? J'ai l'air d'aller pour l'instant. Oula. Ah, écoutez, pour l'instant ça passe. Tant qu'on a le gameplay millimétré avec les cheveux, ça c'est bien. Et les. Ouais, encore une fois, si on peut ne pas avoir des ennemis qui nous popent dessus, à quelques mètres hein, de nous, je pense que je m'en porterai pas plus mal. Ok, ah, ça passe. Merde, non, ça passe pas. J'ai 3 points de vie. C'est pas génial ça. Mais
C'est impossible. Ah non. Ah non, le coup des cheveux. Le coup des cheveux. Ouais. C'est le coup des cheveux, les gens. C'est le coup des cheveux. En fait, j'aurais dû utiliser mes cheveux plutôt que le saut. Le saut, il te fait rebondir beaucoup trop. Ouais. Là, pour le coup... Pour le coup... Putain... Il y avait une solution pour passer, ouais. De manière plus logique. Ouais. Par exemple, si... Et si je fais ça, ça passe. Mais oui, en fait. Si je fais... Merde! Oh, les bâtards. Putain. Crève-toi. Quel enfoiré, il revient. Il faut... Ok, il faut que je le suive juste à temps. Donc là, il faut que je vole, sinon je suis mort. Non! Trop tard. Je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Petit enfoiré. Ce petit enfoiré. Je vais l'attendre. Et ensuite, je vais me poser. Et je vais le suivre en rampant. Allez, là, j'y vais. Saloperie. Saloperie. Oh, putain. Je suis grossier, mais c'est... J'ai les mains moites, hein, franchement. J'en peux plus. J'ai un point de vie. J'ai l'impression que je joue à Dark Souls en mode extrême. Oh putain, il y a la pancarte. Mais j'y suis pas encore, faut se calmer. C'est mon premier jeu vidéo, sérieux? T'as commencé avec un avec ça? D'accord. Ah, le bâtard. Je crois que ça vient de ça, ouais. Je pense que ça vient de ça. Honnêtement, t'as commencé tout de suite avec le menu frétin. Enfin, le... Non, c'est l'inverse, justement. Comme on dit. Avec le plat de résistance, voilà. T'as commencé avec le plat de résistance directement. Ton premier jeu vidéo? Tu sais ce que c'était, mon premier jeu vidéo, moi? Moi, je crois que c'était Kirby's Dream Land sur Game Boy. À moins que ça soit... F-Zero. Non, je crois que c'est F-Zero. Enfin, bref, un jeu Super NES. Entre Super Mario World et F-Zero, je crois. Bref. Là, j'évite de parler pendant que je suis stressé comme ça, parce que... C'est... Non, franchement, c'est très fourbe. Là, c'est du millimètre, en fait. Hein. Donc, si t'es pas extrêmement patient et attentif... Bah tu te fais bouffer. Bah c'est là que tout à l'heure je suis mort, je crois. Non, c'est après. Voilà, là on va voir la pancarte. Non, c'est même pas là. La pancarte elle est encore plus loin. Oh là là. Là je vais attendre l'ennemi. Ouais. J'ai les mains moites. Voilà. Je me répète, mais je me suis les mains sur le pantalon parce que c'est... Très conclu. C'est un obstacle en plus, la sueur. Il va. Mais en tout cas, je le trouve bien, tu vois. Même s'il est fourbe, je dirais que je le préfère à certains qu'on a eu précédemment. C'est ça le paradoxe. Je trouve bien pensé, en fait. Parce que si t'es patient, tu vois, tu peux vraiment y arriver. Comme souvent. Alors, attends. Et... Ah putain, c'est là que c'était chaud. Putain. Mais... Sérieux là? T'es sérieux, Sam? Voilà, attends. Attends encore. Attends, je suis désolé, je vous lirai juste après cette séquence parce que là je ne peux absolument pas regarder le chat. C'est... Est-ce que je vais plus vite que lui? J'espère pas, sinon je vais me faire toucher.
Non, j'ai l'impression que je vais à la même vitesse. Est-ce que je peux pas le dégommer? Je vais tenter. Pourquoi j'arrive même pas? Saloperie. Là. Il se la pète. Parce qu'il fait 3 cm de hauteur. Alors. Putain, je suis arrivé. Oh, j'en peux plus les gens, j'ai 2 points de vie. Il reste 300 niveaux comme ça, non? C'est ça. Faut me dire combien il y en a parce que... Quoi? Ah, j'ai plus le pouvoir. Ok. Le bonsoir. J'ai quelques chromosomes en moins, ça doit être ça plutôt. La tête dans les vapes. J'ai oublié de vous dire bonsoir dans le chat. Ouais. C'est pas très poli ce niveau. Ah, le niveau il m'a l'air bizarre là déjà. Ouais, c'est étrange hein, mais. J'ai l'impression que je peux descendre encore. Bizarre. J'entends des bruits par contre. Allez, un checkpoint. Checkpoint, dit sauvegarde. Bon, c'est étrange comme niveau. Bon, je pense qu'il y a les ennemis qui vont arriver. Oh! T'es sérieux là? Ok. Pas grave, on continue. Faut sauter au milieu là. Pardon. C'est une cage ça? C'est une cage ça. Bienvenue, c'est le passage qui m'a bloqué pendant bien longtemps. C'est quoi ce passage? C'est la porte d'entrée en enfer ou... Genre si tu rates tu vas en enfer, si tu réussis tu vas au paradis. Et il y a que un élu sur 1000 qui arrive à passer, c'est ça? Expliquer comment ça fonctionne. Bon, on va essayer. Il faut que je me baisse quand je saute. Juste glisser et rebondir. Je vais essayer. Faut pas juste faire un truc vachement simple. Eh bah si, t'avais raison. Et au bac, faut pas juste écrire ton nom. Ah non, ça par contre non. Ça t'as pas le droit. Et pourquoi tu lui as dit? On aurait passé une heure si long. J'aurais tenté de passer au millimètre près. Putain. La fourberie du truc quoi. Oula. Ah, ils mettent des pics de partout. Ah, ils veulent plus que je passe. Donc là, il faut que j'aille par là. Ah, j'ai pas pu aller en haut, il y avait une cage. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, bah. Tu m'as humilié en public, Someone. Je te remercie pas. Voilà. T'as voulu m'aider, je sais, ça partait d'une bonne intention. Mais le fait est que tu m'as humilié. Il y a eu une volonté de m'humilier. Je sais plus ce que c'est le mème exactement là-dessus. C'est Sarkozy, je crois, le mème là sur internet. Il y a eu volonté de m'humilier. Bon.
Safe. Comment t'as fini avec une vie et tous tes points de vie? J'avais pas tous mes points de vie, je crois, Clary. Pourquoi, hein? Mais j'ai raté plein de passages. Hein. T'imagines le... Je répète, il faut choper toutes les caches du jeu pour avoir la vraie fin du jeu. Enfin, pour accéder au dernier niveau. Oula. Ah, j'ai cru que ça avait bugué, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Avec son skill légendaire. Non, j'ai... En fait, j'ai perdu beaucoup de litres d'eau. Donc, la référence à Sarko. La cité des images, le cratère de Space Mama. Oh non. C'est qui, c'est un boss, ça, Space Mama? À se concentrer, les gens. Oh, la musique. Écoutez ça. Je m'enverrai en enfer. Ah, j'ai sauvegardé au checkpoint. Hein. Tu trouves pas ça légitime? Parce que le jeu, c'est un bâtard avec toi. Il te donne aucune vie. Je répète, quand tu bats les boss, il te redonne aucun point de vie. Alors, un jeu qui te crache à la gueule. Bah, excuse-moi, hein, je trouve une pirouette pour lui mettre à l'envers. Bah écoute, si je dois aller en enfer, écoute, si telle est ma place, j'irai. Mais tu m'accompagneras. On y aura tous les deux, et on fera un 1v1. Les yeux dans les yeux, je te prendrai. Cela seul face à face. Je sens que ce moine, il veut rebondir sur ce que je viens de dire. Je sais pas pourquoi. Comme si vous étiez trop prévisible, c'est comme si je vous connaissais tellement par cœur. Comme si on faisait partie de la même famille maintenant, tu sais. N'importe quoi. Et je commence à délirer. C'est de la faute du jeu, je suis désolé. C'est pas la faute du jeu si t'es nul. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas de ma faute si le jeu est fourbe et te redonne pas de points de vie après les boss. Bon, ça finit ce concours de vie. On va rien dire. Dans un octogone. Pourquoi un octogone? What the fuck? Un octogone? Pourquoi tu parles de forme de... à 8 côtés, cher someone? Oula. Alors attends. Se concentrer. C'est fini. Je relis deux fois la même chose. Je suis fatigué. Bon, là il faut que je saute et que je tire qu'une fois. Ok. Ça passe. Ensuite, prendre ceci. Et après, c'est où? Octogone égale ring de combat de MMA. Ah, je m'y connais pas dans le domaine, donc ainsi de préciser. Ah, c'est là qu'il fallait aller. Je vais débloquer un truc ici. Je tape dans les machins, j'imagine. Ouais, on va les faire descendre. Oh le bâtard! Genre je l'ai même pas vu arriver, il m'a défoncé la gueule. Ok. Ok, LM. Car oui, finir Rayman 1 est un examen, c'est l'examen de passage pour l'élite de l'élite. Mais est-ce que c'est l'examen d'entrée en enfer aussi? Parce que quand t'as plus de neurones... Attends. Ah, il faut que... Faut que je remonte maintenant, ok. Ok. Concentré. Putain. Dur. Ok, ça passe. C'est comparable, t'inquiète. Comparer le permis à un jeu de plateforme, tu vois. Sur... Putain, j'avais même pas vu que t'avais permis. Ce serait bien, n'empêche, le jour du permis. Tu fais une erreur, tu dis à l'inspecteur, attendez, je load ma safe tête. Oui, mais du moment que tu lui dis que tu load au checkpoint, je pense que l'inspecteur, il est d'accord. Je pense que l'inspecteur, il t'a dit, bon, écoute, le permis est tellement dur de base, il est tellement fourbe, on te met tellement de pièges. J'ai engagé Momo au coin de rue pour te rentrer dedans quand tu passeras ton permis, et juste pour que tu le repasses, tu vois. Et bah, là, je pense que c'est légitime de charger la... je dis n'importe quoi, putain. C'est assez connu en ce moment avec ce qui se passe dans le rap game. T'écrases quelqu'un, tant pis, je load. Bah oui, comme ça, il est encore en vie, le mec. Il peut ressusciter. Tu charges la sauvegarde. Ça se trouve, quand on sera mort,
C'est vachement glauque, hein. Excusez-moi, mais ils vont nous expliquer que la vie c'était un jeu et que en fait on peut l'autre quand on veut. Genre quand t'es mort, tu peux décider de revivre au moment que tu veux, t'imagines, ça serait bien. Mais ça n'existe pas évidemment, sinon ça se saurait. Pas mal, de quoi pas mal, ma blague ou... Ça m'étonne que tu dises d'une de mes blagues qu'elle est pas mal, Shiro. Non, par contre, là, je vois pas où aller. On va se lancer dans le vide. Là, il a pété, on dirait. Ou alors que rien n'existait en réalité. En fait, que tout ce qu'on vit là, c'est dans nos têtes. Je crois qu'il y a des films qui ont... Je sais plus lesquels, mais qui ont utilisé ce... Ce truc-là. Est-ce que je peux monter sur le pic? Pas d'autre choix. Hein. Attends. Ah non, je peux aller en bas, ok. On attend fébrilement la Load State de Michael Jackson. Putain, il va se retrouver à Neverland avec des enfants. On n'est pas dans Matrix. Ah, j'ai pensé à Matrix, Clary. Est-ce que la vie est un jeu? Oula. Compliqué, là. Ok. Ah, j'ai vu le panneau de fin de niveau, là. J'ai pas utilisé de l'autre jusqu'ici, c'est cool. Quoi? Ok. Et si je saute maintenant? Hop là. Yes. Hop là. Pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce que je descends ou je vais en haut? Je vais aller en haut. Je suis un ouf dans ma tête. Mourir noyé dans ma propre piscine. Parce qu'on a retiré l'échelle pour sortir de l'eau. Ah putain, ça c'est pas... Ouais, bien trouvé. Bonne référence. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu d'ailleurs. J'avais bien aimé dans mes souvenirs. Faudrait que je me le refasse. Dieu décide d'enlever l'échelle, tu vois. Ah, c'est someone qui a fait la référence. J'ai pas lu dans l'ordre. Je suis trop concentré. Hein. C'est pas mal. Ok. Ça en est déjà 2h47 de live. Ça passe vite quand on s'amuse, dites-moi. Alors attendez. C'est... Ah franchement, l'hélicoptère là des cheveux dans la main, c'est tellement trop bien. Donc là, si j'utilise ça. Ensuite, ça. Ensuite, pas ça. Ah, je suis mort direct, ok. Ok. C'est comme les pics dans les Megaman en fait. Je me retape tout. Si tu veux. Si tu veux, Coco. Hop. Y'a pas de soucis, j'avance moi. Y'a pas de temps à perdre ici. La musique est géniale, elle a repop. Hein. Écoutez ça. Donc ça c'est pas génial. Je vais en bas. T'écris vite en fait, someone. Ah, c'est une machine, tu savais pas? C'est pas un humain en fait. Oula, je sais pas où je me suis embarqué. Mais je m'y suis embarqué. Ah bah tiens, une vie. Ok. Ça c'est cool. J'ai l'habitude d'utiliser rapidement mes mains, si tu vois ce que je veux dire. Vous êtes au courant qu'il y a une femme dans le chat ou pas? Ou vous vous en... J'allais dire vous vous en... Excusez-moi. Je dis vague. Vague. T'agis de tes mains, ouais, j'ai compris. Ah, il est gêné. Il a trois mains en fait. Mais on dira pas quelle est la troisième main, Clary. Ça c'est classé secret défense. Personne ne doit le savoir. Attends. Lui j'attends qu'il vient, je vais le défoncer. Voilà, je l'ai eu. Ils ont la confiance avec la femme en question. What the fuck? Quelle confiance. Genre ça les autorise à dire des trucs dégueulasses. Alors attends.
Pour l'instant, ça va, j'ai envie de dire. Le pire niveau, c'était quand même celui d'avant, je trouve. Extrêmement précis. Ah oui, c'est là où je suis mort tout à l'heure. Bon, se concentrer. Merde. Ah, mais c'est ça, c'est... C'est quand mon point, il revient. Là, c'est dur. Ok. Est-ce que la pancarte, elle est dans le coin? Ah, il te montre qu'il y a une cage, hein, les bâtards. Étant donné qu'elle est parfois pire que nous. Ah, ça, je te le fais pas dire, Someone. Là, je peux pas te contredire. Tu vas marquer un point. Et même deux. 50 points pour Gryffondor, je dirais. Concentration. Easy. Pour l'instant, c'est easy. Quoi? Oh, le réflexe de ouf que j'ai eu, là. Ah, je suis content. J'ai eu un réflexe de ouf. J'ai deux vies, tout se passe bien. Par contre, là, je sens que ça va être chaud. Quand mon point revient, là, c'est dur. En 2019. Je pense que mardi, je vais l'appeler comme ça. Quand mon point revient, là, c'est dur. Excellent, excellent titre de VOD, je trouve. Ok. Pourtant, ça se passe bien. Oula, séquence de plateforme aérienne. Allez. Attention. Oh putain, je vais y crever. Quoi? Ah d'accord, je dois faire ça plusieurs fois pour avoir la cage, mais ça me servait à rien d'aller ici. Merde. Je vais mourir. Non. Par contre, il y a un truc en bas. Où je vais là. Je sais pas si c'est une bonne solution ce que je fais. Par aller choper la cage, je pense qu'il y a rien. Je pense qu'il y a rien d'autre par là. Ah d'accord, les trucs repop. D'accord, ok. Donc tu dois le faire plusieurs fois d'affilée. Ah, c'est trop dur. Enfin, c'est pénible quoi. Séquence test. Je demande la séquence test, à savoir, je tombe dans le vide, est-ce que je meurs ou pas? Attention, 3, 2, 1. Je ne meurs pas. Ok, je ne meurs pas. Donc, où aller? Je ne sais pas. Ah, c'est en bas que je suis pas allé, c'est ça? Attends, allez. Ouais, c'est par là. Faut avoir des réflexes de Jedi la première fois quand on joue au Rayman 1. Ah, je suis content, le réflexe que j'ai eu pour tout à l'heure choper le... Oula, attendez, comment je fais là? Faut que je m'accroche au... Ah non, ça passe en sautant. Putain. Chaud quand même. Quoi? Ah, il faut que je remonte. Comment ça se passe? Qu'est-ce que... Je comprends rien ce jeu. Ils te mettent une vie en haut. C'est bizarre. Le level design est très... Il y a un truc qui me suit là. Ouais, qui me suit, bordel. On va se dépêcher, hein, j'ai pas envie de crever. Vie ratée sur 20. Vous avez dit tellement de conneries, je n'ai même pas eu le temps de vous lire. Attendez. Tiens, ça y est. Truc qui me suivent. Je me dépêche. Oula. Est-ce que ça continue à me suivre ou pas? Tester. Ah oui, d'accord. Ça me suit éternellement. Ok. Ah putain, j'ai eu de la chance, j'ai chopé... Oh là là. En plus, il y avait trois espèces de martiens qui me suivaient. Pouf. Tu les retrouves en cliquant sur Cliffs en haut de la page, c'est un bouton pour enregistrement 30 secondes. Ah oui, tout à fait. Je connais mal les utilisations de Twitch d'ailleurs, mais c'est vrai que pour Clary, je pense qu'elle connaît pas ça. Tu fais des enregistrements de ce que dit Bart, tu vas le faire chanter. De fuck. Putain, merde. Et c'est un fail. Et c'est un fail. C'est un énorme fail. Allez, on se concentre. Mais... Ok, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris les gens. Je pense avoir compris. Mais... Non, en fait. Non, j'ai pas compris. Bon.
Il semblerait que j'ai pas compris. Ah attends, il faut que j'appuie qu'une fois déjà, je pense. Mais... Quoi cette merde? Ah, il faut que je tape. Sauf que si je tape... Fais un test. Attends. Ok. Ok. C'est quoi cette séquence de l'enfer? Ok. Attends, tu peux taper quand t'es en l'air comme ça? Non, on peut pas. On peut pas. Et si je fais un... Ah non, je peux pas. Si je fais un petit... Non, dites-en rien, s'il vous plaît. Je pense que c'était ça, putain. Je pense que c'était ça, mais... C'est-à-dire que si tu t'as game over là, tu dois trop taper tous les niveaux qu'on a fait avant. C'est un concept, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que j'ai trouvé, par contre. C'est quoi T-Bag? Je fais ça. Pourquoi cette séquence de merde, sérieusement? Ils se sont vraiment dit putain ça va être génial, on va faire ça, ça va casser les couilles à tout le monde. Tu m'abandonnes au meilleur moment, Clary. Bah écoute, bonne nuit à toi. Bon courage pour demain, tu me tiens au courant. Pour ton premier cours dans ce domaine. Et pas le domaine de la plateforme dans les jeux vidéo, malheureusement. Bah le PV ça me sert à rien concrètement neuf. Parce qu'à partir du moment où je me fais toucher... Là je vais bien essayer hein, mais... Bonne nuit. Putain c'est ça. Quel enfoiré, il paraît qu'il y a un bonus dans le vidéo, et bien sûr je vais m'amuser à le tester.
Exactement. En fait, le deuxième truc, c'est un troll de ouf. Comment je suis censé faire là? Tu vas aller sur la plateforme en haut. C'est impossible. C'est possible. Oh! De merde. Je peux plus se... En plus, la plateforme elle bouge maintenant. Ça repop en plus. Faut que je me fasse chier, ça repop. J'en peux plus, je transpire aussi là. 99 vies. JPP, Jean-Pierre Papin. Je bois un petit coup, excusez-moi. C'est peut-être le niveau le plus difficile hein, qu'on a eu depuis le début. Qu'on a eu, pas le français. Putain, bordel. J'ai même des haribots. Je vais choper des haribots, tiens. Bordel. J'ai que petits haribots. Viens boire un petit coup à la maison. Alors c'est que de l'eau malheureusement, mais ça fait toujours plaisir. On en parle des sachets de Haribo qui sont durs à ouvrir. Il y a du rouge et du saucisse. Tu connais ça, Chiro, toi? C'est des maxi Haribo, vous savez, les gros là. Vachement bon. Voilà, on y va. La cosse est de haut. On y va les gars. On a pas mal. Même pas mal. C'est dans la tête. C'est dans la tête la douleur. Vous le dis-moi. Je me laisse tomber ici. Ok. Demain, Chiro. Demain en combat. Je sais pas à quelle heure, mais. Putain. Il peut mourir, lui? Ah, d'accord, je le touche, mais il meurt pas. C'est ça la fameuse hitbox. De ouf. La hitbox claquée dans les jeux. Histoire que je me défoule sur toi pour tout ce que t'as dit sur Emma. Moi, j'ai pas dit tant de vilaines choses que ça. Hein. En vrai, ce que je reproche au jeu, c'est les ennemis qui te popent sur la gueule sans que tu n'aies le temps de le voir. Je dirais que c'est le pire que je reproche. Et certaines rares séquences de plateforme
T'as vu, je dis rare, je dis pas souvent. Certaines qui sont un peu abusées. Voilà. Le reste. Oula. Je vais creuser. Plein de piranhas. Ah, bah je l'ai pas encore joué, il faut que je la. Parce que j'avais utilisé le code. J'espère que c'est valable, putain. J'espère que je vais pas me faire niquer. Il peut mourir, lui, non? Il veut pas mourir. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas, ouais. À courir. On réglera ça demain. Et je sais que tu as un bon niveau, t'inquiète pas. Je me méfie, je suis pas totalement inconscient. Là, je dois prendre des trucs. Ok, on va y aller comme ça. La musique des niveaux bonus est excellente. Hop. Concentre. Ok. Est-ce que j'ai le temps de tous les choper, moi? Ok. Je sais pas s'ils vont me laisser le temps. Oh, les bâtards. Ah, je pense que c'est bon, yes. Ça mérite un petit GG, ça. Le mec qui prend pas les choses à cœur, non mais je vais être tryhard. Je pense qu'en vrai, t'as pas besoin de tryhard, t'as un bon niveau. Et je vais déjà galérer, donc... Je pense que c'est inutile que tu t'entraînes plus que ça. 16 things à prendre, the thing goes scra. Je connais pas les paroles, mais ça m'a bien fait marrer ce même. Ou pas, merci pour le GG. Par contre, ça, faut que je fasse le tour. Le tour. Non, pourquoi ils me font refaire le niveau bonus, fait chier. Profites-en, c'est la seule fois. Ah, je peux regagner une vie. Bon. La seule fois, tu dis. Allez. On va le refaire une deuxième fois. Comme ça, j'aurai un second GG de la part de Shiro et ma vie sera complète. Je vais peut-être y arriver en un temps encore mieux que celui d'avant en plus. Ce serait bien ça. Merde, je crois que je suis mort là. Ok. Ah là je me foire, tu sais. Ah non, j'avais plus d'élan. En fait, quand t'es en l'air, des fois, Rayman il garde le même élan. Du coup, c'est mort. Bon, par contre, je me casse. C'est pas que c'est chiant, mais c'est chiant. Voilà. De toute façon, ça me suffit. 3 vies, c'est largement suffisant pour finir Rayman. LOL, avec tout ce que j'ai perdu. Enregistrez bien ce que je viens de dire. Repassez-le en boucle. Faites un remix avec si vous voulez. 3 vies, c'est largement suffisant pour finir Rayman. Je pense que ça mérite un remix de la part de DJ Khaled. Il s'appelle Khaled Freaks là. DJ Khaled. Attends. Hop, on va y aller comme ça. Oh merde. Évidemment, tu sais pas quand le truc il va s'arrêter. Go le clipper. Voilà, ta vie infinie avec les save states. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est pour la postérité, c'est pour faire genre, t'as vu, j'ai fini le jeu, il me reste quelques vies. Merde. J'ai hâte de faire le golemon, moi. Ok. Tout à l'heure, je l'ai passé du premier coup, ce truc. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai... Essayer de faire comme ça. En fait, faut laisser revenir la plateforme. Et normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà. Truc en bas là, on va aller choper ça. Ah bah tiens, il y a une vie en plus. Parfait. Donc là, il y a un truc à droite. Je les aime pas, ces espèces de cerceaux. Ils ont l'œil amoché là. Dommage, n'empêche, mais bon, c'est ton choix. Ouais, c'est mon choix. Enfin, je pense que c'est ça où je mets 10 fois plus de temps et je fais 10 000 parties. Et c'est chiant à regarder, je pense. Enfin bref, on en a déjà parlé. Moi, j'ai. Ouais, c'est vrai que c'est un choix délibéré. Je me suis bridé, encore heureux, hein. J'ai décidé de sauvegarder que au checkpoint du jeu. Et quand je finis un niveau. Voilà. Donc à la fin des niveaux et au checkpoint. En guise de punition, je t'inscris dans l'émission, c'est mon choix. Quel bâtard. Je vais me retrouver avec tous les cassos du coin.
Vous aussi, vous avez décidé de ne jouer plus qu'à Skyward Sword dans votre vie, appelez-nous. Votre cas nous intéresse. Merde. Est-ce que je suis mort là? Ah bah tiens, non. Par contre, il y a un truc. Donc là, c'est la séquence test. Il n'est pas venu pour ici pour souffrir, ok, tout à fait. Mais j'ai cru comprendre que c'était une actrice en fait, la fille qui a dit ça. Elle savait qu'elle ferait sûrement parler d'elle, donc elle a balancé ça. Oula. Oula. Ah oui, d'accord. J'aurais peut-être pas dû faire de test finalement. Quoique, si c'est pour choper des points de vie, ça c'est le bon plan. Ah bah j'en ai perdu un, c'est pas grave. Tant pis. C'est mon choix d'avoir fait Rayman 1 avec des saves et d'avoir cheat le jeu. Alors le jeu essaie bien de nous niquer, donc c'est pour moi c'est pas... Pour ne pas avoir à trouver toutes les cages... Oh, pff, oh bah ça j'en parle même pas. Ça c'est le summum du sadomasochisme. Alors je ne te critique pas là-dessus parce que chacun est comme il est, Chiro, hein, mais... C'est vrai que c'est une expérience de vie à part entière, je pense. Hein. C'est un sacrifice de sa personne, un sacrifice personnel. Il faut, je pense qu'il faut quitter tes amis, ta famille, ta femme, ton fils et ton domaine hein, pour t'offrir ce genre d'expérience nauséabonde. Attends. Comment je vais faire? Je vais me baisser. On va faire ça. On va se baisser. De toute façon, ça passe. Lance baisse, lance haute, lance baisse. Oula. 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 C'était retort là. C'était compliqué. Ok. Alors attends. Merde. Mais c'est un peu lourd ce délire sadomasochisme vis-à-vis de moi. Ouais, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre, t'inquiète. Si ça te touche personnellement, c'est vrai que... Faut pas hésiter à le dire. Bon, des fois on plaisante de certains trucs, tu vois, mais... On n'a pas forcément conscience que c'est chiant. Donc ne t'en fais pas, on va... Oula, attends. Donc faut que je reste concentré sur la partie, quand même. Mais en tout cas, à défaut de dire ça, Chiro, je sais que t'aimes... les jeux difficiles, voilà, où t'es capable de recrever plein de fois et... C'est ton droit, hein. Moi je suis pas. C'est pas trop mon délire, mais après. Je respecte en tout cas. De toute façon, tous les jeux sont. Merde! Ok. Pas tous les jeux sont merde, ça veut rien dire, mais. J'avais fail pas mal de fois dans ce petit niveau. À la fin du niveau, il y a Hakim, le fils du forgeron. Ah, t'as compris la référence, ça me fait plaisir, someone. Allez. J'appelle ça juste de la patience. Bah, c'est vrai qu'il faut une. Oui! La patience fait énormément du travail, mais... Après, t'as beau être patient ou non, disons que certains éléments du jeu ne changent pas et t'es en droit de les... Pas de les tolérer ou non, mais de te dire oui, je trouve ça bien, ou je trouve ça pas bien, ou je trouve ça bien fait ou non. Tu vois. Il y a aussi ça, il n'y a pas que... Oui, la patience, c'est une chose, mais... disons que je suis... Il y a des jeux où j'arrive à être beaucoup plus patient parce qu'il y a certaines choses qui me font en sorte que... Enfin, tu vois. C'est pas non plus totalement, totalement ça, mais bon, après... Et matière à débat. Parce qu'après, on reparle de Kaizo Mario, est-ce que c'est de la patience dans Kaizo Mario ou est-ce qu'il n'y a pas de espèce de sadisme, tu vois, avec le jeu qui... Enfin, le jeu qui est sadique. Sur ce, il y en a qui bossent demain. Bah écoute, Someone, merci d'être passé, c'était très sympa. Moi, de toute façon, je pense que je vais finir ce niveau, on va s'arrêter. Je te dis bonne nuit à toi. Merci, bro. Et bon courage pour demain. Bonne nuit, n'oubliez pas les trois clips. Ah, il y a trois clips, carrément, putain. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais d'accord. Allez, bonne nuit, mec. Salut. Ah. Ah, par contre, là, ça va être chaud. Sadomasochisme, c'est ultra exagéré. Au début, c'est bon, c'est rigolo. Par votre définition de la difficulté, à force, c'est lourd dingue. Ouais, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Merde. Hop là. Kaizo, c'est de la patience, mais le gars qui joue s'abuse pas, à mon avis. C'est possible. Ou alors il y en a vraiment qui s'amusent en fait avec ça, avec le Die and Retry quoi. Est-ce que... Pff, je suis sûr que ça peut en amuser certains en fait. C'est ça le pire. Ouais. Par exemple là, typiquement, ce qu'on est en train de faire, ça ne m'amuse pas. Mais je continue parce que je veux finir le niveau quoi. Allez, bonne nuit Toto. Merci encore. Petite dédicace sur Twitter.
Ah d'accord. Bah, sympa de ta part. Allez mec, tchou. On va se concentrer. Kaizo, c'est de la pure fierté en général. Ah. Ouais. Je pense que c'est le mec qui veut se dire, oh, t'as vu, j'ai fini Kaizo Mario, je suis un gros kiki de la mort, alors que le mec, il a juste passé sa vie dessus, quoi. Enfin, je vois pas trop où est le mérite, à part te dire que tu es extrêmement patient, mais à l'extrême, tu vois, c'est de la patience à l'extrême. C'est ça le truc. Mais... Ok. Non, mais j'ai trouvé une strat, écoute. J'ai trouvé la strat, je pense. Y'a pas de soucis, on va y aller. Je pense que là, je pense que je vais réussir au prochain tour. Normalement, je passe la plateforme. Voilà. Faut apprendre de ses erreurs. Là. Putain. Je pense que la prochaine fois, je passe la plateforme. Ça devrait le faire. Voilà. C'est ce que je disais. Faut faire attention. Fallait s'avancer sur la plateforme, même si ça reste très dur, attention. Mais voilà. Allez, c'est parti. Oula. Là, c'est... J'ai l'impression que c'est millimétré le pic hein, qui touche le fion. Là, il faut que je tombe, c'est ça? Ouais. On va se baisser. Là, je vais ressauter au dernier moment. Hop. Kaizo Mario, ça sera sans moi. Ah bah, Daf, je peux tout à fait comprendre. Moi, je pense pas l'essayer une seule fois dans ma vie. Hein. Oula, attention. Concentre. Cool, un autre checkpoint. Enfin, j'essaierai peut-être vite fait, mais de ce que j'ai vu des vidéos, c'est extrêmement frustrant, quoi. C'est-à-dire que chaque obstacle du jeu, c'est limite la mort, en fait. Il faut les connaître plus que par cœur. En fait, il faut non seulement connaître par cœur les obstacles, mais en plus les performer à la perfection. Il faut savoir exactement doser du gameplay. Par exemple, de Super Mario World, il faut le doser à la perfection. Dans Mario Maker, il y en a qui font des niveaux... Ouais, j'ai vu qu'il y avait des niveaux très très compliqués dans Mario Maker. D'ailleurs, je sais pas si... Tu l'as, toi, Shiro, Mario Maker? Je sais pas si tu l'as. Bonne question, en tout cas. Mais je ne sais pas si tu l'as. Non, du coup, faut que je tape là-dedans. Maintenant, j'ai tapé, là. Oh là 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 là. C'est au pixel près, tu rates une frame, t'es mort, ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas amusant, hein. C'est vrai que le pixel perfect, j'ai du mal à comprendre les gens qui s'amusent ou qui passent leur temps dessus, quoi. Parce que ça, là, on est dans l'extrême de la difficulté, tu vois, c'est... La difficulté... Putain, là, j'ai bien joué. Fallait taper deux fois, mais j'ai eu un peu de bol aussi, enfin... Espèce de réflexe, qu'il faut avoir. Putain... Non, 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 ça, j'aime pas. Tu vois, là, c'est exactement le genre de passage que j'aime pas. C'est ça. Là, il y a des airs de Kaizo Mario, tu vois, avec les pics, etc. Moi, je dis pas que c'est pareil, je dis juste qu'il y a des airs, ça y fait penser. Voilà. Par exemple, là, tu sautes. C'est du par cœur pur en termes de mémoire sur ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Donc là, on va essayer de faire gaffe. Oh, j'ai réussi. Oh cool. Oh, je suis content. Voilà. Bon, je suis mort plusieurs fois, mais... Cool. Yes. T'as jamais joué à un Kaizo pour sortir ça concernant Rayman 1? Si, je connais Kaizo Mario, j'ai vu des vidéos. Tout ce que je te dis, c'est qu'il y a des airs. C'est-à-dire que... Comment dire ça? En fait, c'est une séquence où il y a plein de plateformes... compliquées, et que tu meurs, tu meurs, tu meurs, et après, quand tu les connais par cœur, bah, c'est plus facile, évidemment, pour passer. Bref, je me concentre. Il y a un boss. Allez, c'est parti. Oula. Évidemment, la machine à laver qui arrive. Ouais. C'est de lui taper dessus. Voir si ça passe. Quoi ? Quoi ? Ok. Pas oublier que je peux courir aussi. Est-ce que tu peux te barrer? Parce que là, elle va me taper dessus. Pas ça. Te concentrer. Putain.
Bon, les lasers, j'ai compris comment les esquiver, ça va. J'ai 2 points de vie là, c'est pas ouf. Ah, des fois je la touche, des fois je la touche pas. Oula, attention. D'accord. Alors ça c'est type... Voilà, voilà, je pense que... Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ça encore ça va, tu cours. Putain mais c'est compliqué là. Oula. Attendez là. Attendez, ça devient... Bon ça passe hein mais... Et genre je pouvais savoir qu'il fallait me baisser là. Tu vas me dire. Bon je vais lire ce que t'as dit. Comme dans n'importe quel jeu. Non, je suis pas d'accord avec toi Shiro. Dans Rayman 1, les trucs où t'es obligé de mourir... Je veux dire, c'est moins prononcé dans certains jeux. Rayman 1, ça fait partie des rares jeux où... très difficile en termes de plateforme. Enfin, surtout que la difficulté augmente très rapidement, très vite. Au niveau du dosage, c'est pas ouf. Hein. Dans Rayman 1, les trucs où t'es obligé de mourir pour savoir la prochaine, c'est très rare. Ça des réflexes, tout passe. Un Kaizo, c'est réflexe ultra précis. Et tu le sais pas avant de mourir 1400 fois. Bah ça, c'est vrai, par contre. C'est le pixel perfect. Même pas du Den Retry. Ouais, c'est plus que le Den Retry. Mais il y a des trucs comme ça, ouais, comme j'ai dit dans Rayman, où tu peux pas deviner avant de te faire niquer au moins une fois. Et c'est ça que je reproche en fait. Ah, attends, j'ai un petit SMS, je réponds. Allez, on va finir le boss si on peut. Enfin, si on peut, ouais. Après, on va arrêter. C'est très rare, ouais. Je dirais que c'est rare. Il y a plein de trucs, réflexe, ça passe, faut être focus. Ouais. Par exemple, ouais, c'est cette attaque là, je suis désolé, mais. J'étais à la moitié de la vie du boss. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Bon, ça devrait mieux se passer normalement. C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Tu te fais poutrer, bah tu sais comment ça se passe et tu réussis. Sauf que là, voilà, je dis ça, je me fais niquer par la machine à laver. Bon, les lasers, on arrive à les esquiver maintenant. Si je fais en dessous, ouais, je peux me baisser en plus. Ok. Ok. Bon, la première phase, oula, attention, elle m'approche un peu trop. La première phase, ça va. Merde. Enfin, c'est tranquille, c'est après que ça se corse. La musique est spéciale, mais elle est sympa, on l'écoute. Et là, je pense que c'est la deuxième phase. Ouais. Pourquoi elle m'a pas fait son... Ah, c'est maintenant. Ok. C'est maintenant. Ah, j'ai envie de te lire, mais c'est compliqué. Attends, je vais faire pause. Il y a plein de trucs au réflexe, ça passe. Votre focus, t'as bien vu qu'elle tournait de gauche à droite, de droite à gauche et de gauche à droite. Qu'elle était de plus en plus bas. Bah non, parce que en fait, t'es tellement concentré par les projectiles qu'elle t'envoie. C'est ça le truc. Au fur et à mesure, pour concorder avec les espèces de cocottes minutes, passe observateur. Ah, mais là, c'est plus. Enfin, c'est poussé très loin quand même, excuse-moi, mais. Bon. Alors je me mets là j'ai compris, tu vois. Enfin, du premier coup, je l'ai compris, ça, y a pas de soucis. Il y a des trucs, quoi, il faut juste pas abuser. Bien qu'il y ait un certain niveau de difficulté, mais. C'est juste ça, hein, c'est. J'ai compris qu'il fallait me barrer. Là, je vais pas arrêter de me baisser quand je peux, en fait. D'accord, j'étais baissé pourtant. Ok. Et là je vais me baisser, c'est là où je me suis fait avoir. Ouais. En fait, limite faut ramper. Oh putain. Ouais, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est... Tu vois, ça c'était millimétré en fait. C'était à la milliseconde près. C'est ça que je reproche, c'est juste ça. Hein. C'est ces petits passages là, c'est pas le reste. Hein. C'est à un certain moment.
Mais bon, espérons que ça passe quand même. Merde. Ah merde, elle prend sa machine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, on va esquiver ses balles. On va se baisser, ensuite on va sauter. Ensuite on va se baisser. Oula. Attention, les tirs deviennent un peu plus larges. On va faire... J'imagine qu'il y a l'hélicoptère à faire après. L'hélicoptère sûrement bientôt. Est-ce que je peux la toucher là, la fille ou pas? Non. Elle est protégée derrière son... Derrière son lave-linge. Attends. Je peux vraiment pas le lire là. Je peux la toucher ou pas? Non, je peux pas, hein. Je pense que... Tape sur la machine à laver. D'accord. Ok. Ma faute. Là, c'est ma faute, typiquement. Parce que j'aurais pu avancer plus prudemment, mais j'ai... Ouais, c'est chaud quand même. C'est sacrément tendu. Voilà. Moi, je pensais que c'était comme, tu sais, le coup des bombes que j'ai esquivé à la chaîne, là. Et bah, je pensais que c'était une phase, justement, qui allait s'arrêter au bout d'un moment, mais non. Donc, voilà. Faut faire des tests, quoi, et tu te fais niquer, tant pis pour toi. On va se baisser. Faut quand même pas se faire avoir trois fois là-dessus. Alors, j'espère que ça devrait aller maintenant. On va se baisser. Il est bizarre ce boss quand même. Mais il est sympa. Oula, ça me fonce dessus. Ok. Je me baisse. J'ai pas réussi à l'avoir. Fais chier. Je pense pas qu'on puisse l'avoir deux. Ah si, on peut peut-être l'avoir deux fois. On peut peut-être l'avoir deux fois d'affilée. Genre là maintenant, et une fois après. Ah merde, c'est la séquence. Pourtant, je l'avais... Tu vois, là, elle a 7 points de vie. Et elle a déjà fait cette phase quand elle avait que 2 points, 1 point de vie ou 2 points de vie en moins, je crois. En fait, ça dépend si je suis plus ou moins rapide ou pas. Ça lui enlève plus ou moins de points de vie. Ok. On va se concentrer. Peut-être pas dû me relever. Vite. Je vais me faire avoir là, quand même. Ah, c'est cette séquence là que j'aime pas. Ça a fusionné avec le jeu. Là, je suis mort. C'est cette séquence. Voilà, tu vois. Chaud. Putain, je l'ai pas eu une deuxième fois. J'ai l'inertie encore en tête et tout. Ah, c'est vrai, l'inertie du boss, tu l'as en tête. En comptant de souvenir tous les niveaux du jeu. Quand je repense, il n'y a que quand on est enfant, je pense, où on peut avoir une patience pareille. Oui, c'est possible. Et quand t'es plus jeune, enfin quand t'es gamin notamment, t'as une plasticité cérébrale qui est beaucoup plus importante que quand tu grandis. J'imagine que tu connais le principe de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que tes réflexes, tes réflexes moteurs, etc., tes mouvements sont sauvegardés dans ton cerveau et tu apprends beaucoup plus facilement, donc c'est peut-être plus facilement de progresser. Ah, l'inertie de Rayman. Je pensais que tu parlais, tu connaissais les boss par cœur, enfin, genre les faire en one shot sans te faire toucher une seule fois. Ok. Oula. Je peux taper dans la machine là? Ouais. Putain, mais c'est chaud là. C'est quand je retombe qu'il faut que je tape. Putain, mais c'est... Mais... Elle meurt au bout d'un...
Impossible à éviter là. Faire foutre. À la limite, t'as envie de recommencer maintenant. Par exemple, là, voilà, je l'ai eu une fois de plus que tout à l'heure. J'essaie de pas me faire niquer au truc. À la séquence que j'aime pas. Je vais rester au milieu, je pense. Putain, il faut que je me lève, par contre. Ah, c'est ça, la séquence, non? Voilà, c'est ça. Pourquoi ils me l'ont fait que maintenant, cette séquence? Je comprends pas. La séquence hard, ils me l'ont mis beaucoup plus tôt. J'ai pas compris, là. Ou alors, j'avais zappé qu'ils te la mettaient deux fois. C'est mort. Je sais que je suis mort en fait là. C'est le problème. C'est pas ce que j'appelle un boss fun, hein, excusez-moi. Enfin, elle est peut-être bien foutue graphiquement et tout, mais. C'est. Deux, trois patterns que je trouve totalement con. Et vas-y. C'est de ma faute. Je vais te faire foutre. Allez, bonne nuit, Shiro. Merci d'être passé. Moi, je vais finir quand je l'aurai battu. Bonne nuit à toi. Le massacre à la sortie de l'école. On verra ça, mec. Allez, tchou. C'est lui que je parlais qui était pour moi le boss le plus dur, ah ouais? D'accord, bah je te crois. En plus que Mister Dark. Intéressant. C'est vrai qu'il est, il est spécial. Hein. Ouais, j'arrête de lire le chat, je me déconcentre. Allez, bah bonne nuit à toi du coup. Moi je vais finir tout seul, ça sera entre le boss et moi. Allez, bonne nuit mec. Et merci d'être passé en tout cas, Def. Allez, c'est parti. Mister Dark est un peu chaud. Ah ouais, bah je me méfierai, t'inquiète pas. Merci. Putain, j'ai chaud là. Vite. Vite. Mais comment tu fais là? Oh putain, j'ai chaud, c'était ça. Ouais, là, tu te fais toucher. Allez, bonne nuit, mec, merci. Mais genre, elle me tombe dessus, mais putain, mais sérieusement, quoi. C'est chier, ça. Allez-y, la meilleure séquence du jeu. Mais... lag. Une blague ou quoi?
boire un petit coup. Je tape dans la tête quand elle est déstabilisée, c'est ça? On va tester ça. Je vais enlever mon pull. C'est parti. Comment tu veux ne pas te faire toucher? Heureusement. La séquence de merde. Je suis resté baissé en fait, je pense. Est-ce qu'on peut réussir ça en restant baissé? On va tester. Voilà, je pense qu'il faut courir. Aller au milieu. Là, tu peux y aller comme ça. Là, tu peux y aller en courant. Là, tu peux y aller en courant. Et là. La meilleure séquence. Mais... que cette séquence. Quoi? Je l'ai pas eu là. Mais... je la bourrine, bordel. Il fallait le faire plusieurs fois, mais je vais mourir là. Oh putain, saloperie. Saloperie, ce boss de merde. Je peux plus crever, s'il te plaît. Elle va me faire quoi maintenant? Ah, c'est pas fini, cette saloperie là. Vas-y. Je suis mort. Pire boss du jeu. Je peux me laisser tranquille sinon, comment ça se passe, enfin, parce que... J'aime ma motte en plus, ça aide pas.
Ok. Franchement, elle est pas au fond de ma gueule, quoi. J'ai rampé exactement au bon moment. Oh putain de jeu de merde, excusez-moi. Je sais que je le pense pas, mais... Franchement, il y a des trucs comme ça, je peux plus, quoi. Hein, c'est... Ok. Vas-y, prends ta machine à laver. En fait, faut que je la bourrine, je sais pas combien de fois, c'est ça? Oui. J'en peux plus de cette phase, j'ai pas la patience en fait. En fait, c'est ça, si tu la touches pas dès le début, elle te stalk, elle t'a... Et elle vient te faire chier. Là, je commence à comprendre. Ok. Mal positionné. Pas grave. Attends, est-ce que je peux utiliser mon stick? Non. Ah, je l'ai eu au retour. Ok. Ok, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Restez concentré. Ok. Je vais aller à droite. Ensuite, je vais aller là. Après, je vais rester ici. Après, je vais au milieu. Toujours pareil. Et là, la galère commence. Au début, ça va. Et après, c'est la merde. Je crois que c'est là que ça commence à devenir galère. Foutez-vous de ma gueule, non mais là foutez-vous de ma gueule, je vous le dis. Foutez-vous de ma gueule, c'est du pixel perfect. Je déteste ça, c'est nul, c'est juste nul quoi. En plus cette séquence, j'ai limite envie de sauvegarder, je vais pas le faire. Essayez de se la jouer avec l'eau. Oula. Mourir ou comment ça se passe? Un peu plus ce boss, je charge un peu plus. Allez vous faire un... C'est tellement pas marrant en fait. Je sais pas, c'est... Je sais pas, c'est pas fun, quoi. Je me suis baissé, ma manette a pas réagi. Bon, écoutez, je vais faire des safes. Ça m'a assez cassé les couilles comme ça. Ma manette qui réagit pas. Bonsoir Shiva54, ça t'arrive à un moment où j'ai balancé la petite insulte, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu peux le voir, je sais pas si tu connais... Si t'as fini ce jeu ou pas, mais je suis contre Mama de l'espace, là. Space Mama. Et ouais, ça fait bien la 10e fois que je... Plus que ça, peut-être que j'essaye.
Il y a des phases, des patterns un petit peu abusés, je trouve. Enfin, des trucs millimétrés. Et j'ai du mal, en fait. Voilà. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup en général. Et là, il va falloir que, voilà, que j'ai beaucoup de patience. Enfin, moi, ça va. J'essaie de refroidir un peu, mais... ça va. En tout cas, c'est sympa de passer sur le stream. Putain. On va se concentrer. Hop. Tu craques assez vite sur ce level. Ah. Le level, c'est pas trop mal. Attention, je me concentre parce que là, elle va encore... Non, c'est bon. Je sais qu'elle allait m'écraser. Elle s'est trop approchée de moi. La Space Mama, c'est une dure à cuire. Laisse. Hop. Si je fais attention, normalement, ça devrait passer. J'espère, en tout cas. Elle a déjà la moitié de sa vie. J'ai eu un problème avec mon stick. Tout à l'heure, j'ai voulu me baisser. J'ai pas réussi. Je sais pas si c'est la sueur sur mes doigts qui fait en sorte que j'ai pas réussi à me baisser, mais je pense que ça doit pas aider. Oula, attention. Alors, je suis plus joueur rétro, je préfère la nostalgie. Ah bah, je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Sachant qu'il y a énormément de bons jeux qui ont été faits à l'époque. Et bon, chaque génération a ses avantages, ses défauts, a ses bons jeux aussi. Donc, moi, je suis pas trop partisan de préférer telle ou telle génération. Je me dis que toutes les générations ont leur qualité, ont leur jeu culte. Et c'est vrai que ça fait après beaucoup plaisir de retomber en enfance et de jouer à des titres comme Rayman, quoi. Ils sont toujours très très bien faits malgré quelques passages, on va dire, voilà, un petit peu... que je trouve un petit peu abusé, mais bon, après chacun aura l'interprétation qu'il souhaite. Par exemple là, normalement, voilà, typiquement au début là ça va. Je vais te montrer le truc où j'ai du mal. C'est, voilà, là je cours, tu vois, je vais là, je crois que c'est après. Voilà, c'est là. Donc là tu vois, je vais à fond, hein. je vais à fond direct. Ah, ça va, franchement, c'est passé, mais une fois sur 10, ça passe quoi. Généralement je me fais toucher. C'est le truc millimétré quoi. Elle a 4 points de vie, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, cette séquence là je la déteste aussi. Elle se met derrière sa machine et il faut que je brûle la machine je sais pas combien de fois. Je sais pas du tout combien de fois. Tu préfères les streams où il y a peu de monde? Ah bah là tout le monde est parti donc je crois que t'es tout seul à moins qu'il y ait une autre personne. Je vois pas parce que des fois dans le chat, il y a des gens qui sont en invisible, tu vois. On peut parler tranquille, ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc là, j'espère que mon stick ne va pas me lâcher. Je me concentre. C'est la phase que je déteste. Faut pas que j'utilise l'hélicoptère par contre. Je vais y aller. J'ai fait une connerie là par contre. Merde, je me suis relevé. J'ai pas dû me relever. Je déteste. Et là, voilà, ça, je suis passé en dessous, mais tout à l'heure, la première fois, comment tu peux savoir que là, elle va envoyer son frigo dans ta tronche et que tu dois passer juste en dessous pour l'éviter? Chaud, hein. Merde, qu'est-ce qu'elle va me faire là? Oh non, c'est la même séquence que tout à l'heure. Ah, elle te pop dessus, d'accord. En mode, j'ai pas prévenu. Bon, elle a 2 points de vie. Faut pas que je fasse le con, là. Faut vraiment pas que je fasse le con. J'ai envie d'en finir. Je veux en finir! Fais rappeler le clash des gitans là. Oh putain, j'ai cru que je l'avais, mais non en fait. Et ils vont me refaire une séquence de marmites. C'est la séquence des marmites que j'appelle ça. Oh putain, je l'ai eu, ça y est. Oh putain. Oh bordel de merde. Il a enlevé Betty à la fée. Oh bordel. T'inquiète. Je suis sur le stream que depuis 10 minutes, donc je sais que tu galères. Ah, je comprends. Tu as voulu me laisser rager dans mon coin. Bah merci pour le GG. Putain, faudrait compter le nombre de fois que je suis mort. Ça fait longtemps que j'étais pas mort autant de fois sur un boss, dans un jeu vidéo. C'est quand même sacrément retard. Une fois que tu la connais, ça va, tu vois, parce que tu connais les patterns, tu sais ce qu'elle va faire, les marmites et tout. Mais la première fois que tu... Il y a vraiment des gens qui connaissent pas Rayman et qui arrivent à la battre du premier coup, franchement, c'est... Pour moi, c'est du limite impossible, enfin théoriquement, c'est toujours possible. Tu faisais ta ninja. Ah, donc tu es une dame, j'ai la chance d'avoir une femme sur mon chat à cette heure-là, bah, minuit 51, donc... en tout cas, content de te voir ici.
Et du coup, tu penses quoi de Rayman? Est-ce que t'as joué aux autres Rayman? Est-ce que c'est ton préféré de la série? Est-ce que... Je ne sais pas, parce que c'est un jeu qui est extrêmement réputé, je comprends pourquoi. Mais en fait, je me souvenais plus qu'il était aussi difficile, tu vois, de souvenir. Dans mes souvenirs, il était hard, mais il y a des passages. Ouh là 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 là, comment tu veux qu'un gamin y réussisse ça? Mon ami William qui me dit qu'il a réussi à finir le jeu à 6 ans. Et j'ai du mal à croire, mais je lui fais évidemment confiance, c'est mon ami. Mais je me dis comment il a fait, quoi. À part perdre des neurones, c'est extrêmement compliqué. J'ai toujours kiffé celui-ci. T'as pas fait les autres? Ah. Enfin, moi, je peux que te conseiller de faire le 2 et le 3, parce que franchement, c'est des jeux de très très bonne qualité également. Et moi, le 2, c'est mon préféré. Voilà, c'est le premier Rayman en 3D. C'est l'ambiance qui est géniale, l'OST, l'OST et la musique, c'est la même chose, mais... L'ambiance du jeu, la musique, il est moins retors, je trouve, que celui-là, sauf à certains petits passages. Mais je trouve qu'il est peut-être un peu moins fourbe que Rayman 1. Mais en tout cas, je comprends ceux qui préfèrent Rayman premier du nom, il est extrêmement bien foutu. Faut être un acharné, faut aimer mourir plusieurs fois, en fait, pour réussir Rayman. Voilà. Parce que c'est pas du premier coup que tu vas réussir. Il faut crever, crever, recrever. Il est quelle heure, du coup? Parce que tu m'as fait l'honneur de ta présence assez tard, mais... De base, je devais finir à minuit, tu vois, mon live. Il est minuit 52. En fait, j'ai étendu la durée du live parce que, évidemment, je voulais battre le boss. Hein. Je voulais pas finir là-dessus sans l'avoir battu. Le côté un petit peu borné, le côté un petit peu... Voilà, le défi. Mais j'ai réussi, finalement. Bah, la suite, très bientôt, je pense. Peut-être demain soir ou après-demain soir, je sais pas, vers 21h. T'as fini le tien à 30. Ah, d'accord. Bah, t'as fait un live sur quoi, du coup? Aurais-tu fait un live sur Rayman? Alors ça serait marrant que tu aies fait un live sur le même jeu. Mais du coup, ouais, je vais stopper. Je vais te laisser répondre et après, je vais couper, je pense. Mais n'hésite pas à t'abonner, ça va te prévenir tout de suite. Hein, quand je pense que t'as l'habitude des streams, hein, si t'as fini ton stream il y a 30 minutes. Non, il y a 20 minutes, du coup. Resident Evil 2, ah, le remake, j'imagine. Bah, tout le monde le fait en ce moment, moi, il m'intéresse, mais... En fait, j'ai même pas fait le 1. T'imagines? J'ai même pas terminé le 1. Et j'ai la version Origins sur PS4, donc je vais me le faire, le Resident Evil 1, avant de faire le 2. Je pense que dans l'ordre, c'est quand même mieux. Tu vas y aller aussi? Bah écoute. En tout cas, c'est très sympa d'être passé. Même que 10 minutes, hein, ça fait toujours un plaisir de parler. Toujours mieux d'avoir une personne que... Bah que de jouer tout seul, parce que si j'ai envie de jouer tout seul, moi je ne lance pas le live, en fait, c'est ça. Donc, c'est toujours plaisir de voir des gens qui... Tout à l'heure, il y avait Clary, il y avait Shiro, il y avait Daf, il y avait Someone, mais évidemment, là, il est tard, hein, je peux comprendre qu'il soit parti. Bah écoute, je te remercie d'être passé, et nous, on reprend très bientôt, un soir, vers les 21h, comme souvent, quand je stream. Je te dis merci à toi, Shiva54. Et bah à plus, du coup, en espérant te revoir. Bye bye. Passe une bonne nuit également. Merci.